Allez, 3, C'est dur d'arrêter de faire le pas. 2, 1. Bonjour tout le monde, nous voici de retour sur la chaîne Asof.fr pour un petit rapport de bataille en live avec Thomas aka Sainte-Buche qui va jouer Stark et Pierre-Cyril aka Yalperic qui va jouer avec son armée Lannister. On va commencer. Alors, je vais les laisser se présenter, puis vous allez me faire un petit retour pour savoir si le son passe bien sur le live. Allez-y, les gars, présentez-vous. Bon, moi c'est Yelpéric. Du coup, j'ai découvert Asof il y a un petit moment déjà. Je joue principalement Baratheon, et là, du coup, je me suis lancé un peu dans du Lannister pour voir ce que ça donne avec les nouveautés des Hero 3. Ok, bonjour à tous. Alors moi c'est Bûche, donc je suis le frère de Mathieu, pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, bon, là je joue Stark parce que on voulait présenter donc les nouveautés des boîtes de Hero 3. Mais bon, j'ai plus l'habitude du coup de jouer Nightwatch et Greyjoy. Alors, au niveau des armées, moi du coup, je suis parti sur un truc assez simple, avec Kevan en général. Donc, c'est un des nouveaux généraux présents dans la boîte, dans des arbalétriers. Du coup, ça va permettre de taper un petit peu sur la couronne, etc. Ça va être sympa. Ensuite, on a des hommes de la montagne, sans attachement. On va tenter de jouer le petit Robert. Robert Strong, c'est ça? Robert Strong dans les Pyromanciens. Et ensuite, unité de garde Lannister. Voilà, donc essayer de faire un truc assez équilibré, pas trop bourrin non plus, mais qui a des choses quand même intéressantes à proposer. Et on va voir ce que ça donne contre l'armée de Stark. Ah oui, NCU, donc en NCU, j'ai 3 NCU. On va essayer le petit Qyburn. Ensuite, on va essayer le grand moineau et on va essayer Pycelle. Ok, alors de mon côté, donc j'ai choisi de tester Rickard Karstark, pardon, dans les Tully. Ensuite, j'ai une unité de Spearmen Karstark avec Brynden Tully dedans. J'ai une unité d'archer Stark avec un. Je ne me souviens plus exactement du nom. Un Cranogmen Warden, voilà, donc qui donne le tir gratuit quand une unité finit un mouvement à long range. J'ai la nouvelle unité donc de Karstark Loyalist avec l'attachement Loyalist Captain dedans. Et j'ai Grey Wind donc qui est en réserve parce que j'ai joué avec Robb Stark en NCU donc pour tester et avec Arya. Je remarque que c'est censé être les Lannister les fourbes et c'est les Stark qui se planquent, quoi. Après, au niveau du scénario, on va jouer sur Game of Thrones. Alors, au niveau des objectifs, on va avoir un shift de 3 ici, du côté Lannister. Au milieu, ça va être la carte tactique en plus. De ton côté, je ne me souviens plus, c'est Alors de mon plus haute côté, valeur c'est de. la plus haute valeur de dés et à gauche l'affaibli à long range. On met un affaibli à long range et moi de mon côté j'ai le vicieux. Voilà, donc on a plutôt un objectif assez important de chaque côté et au milieu un objectif qui est plutôt intéressant pour nous deux. Au niveau du match-up, je pense que ça doit être assez équilibré. Ouais, on verra. Ça va dépendre surtout des cartes qu'on va avoir. Un petit Winter is Coming sur mes pyros, ça peut faire mal. Et un petit Intrigue et Subterfuge, ça peut faire mal de ton côté. Tout à fait. C'est le risque Pour le petit que j'ai Ned. accepté de prendre. Donc on s'est déployé déjà. Voilà. Et donc on va piocher. Et On va puis. piocher. Hop. Vas-y, je te laisse montrer tes cartes. Alors. Voilà mes trois cartes. Bon, c'est la première fois qu'on fait un live sur Asof.fr, donc on va essayer de bien gérer, mais il risque d'avoir peut-être quelques petits soucis techniques. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des trucs qui vont pas trop. Hop, moi au niveau des cartes, je vais avoir ces trois-là.
Et du coup, Thomas, tu vas décider qui va commencer ou non. Ah, j'ai pas regardé tes cartes du coup. Tu peux me les remontrer pour savoir si tu l'as? Ah non, on va pas commencer. Non, bah, je vais commencer bien sûr. Bien sûr. Ouais. T'es sûr, hein? Ouais, je suis sûr. C'est ton dernier mot? Ok. Ouais, je vais Vas-y. commencer. Et du coup, je vais activer Rob. Ouais, moi je vais faire un petit intrigue et subterfuge Bon. qui arrive direct. Donc ce Ok. qui permet d'annuler du coup l'effet de Rob. Et du coup, ben, je vais aller sur la pioche. Je vais prendre deux cartes que je vous montre. Excusez, la régie doit se chauffer un petit peu là. Et je vais mettre un affaibli, Sur qui tu veux mettre un affaibli? probablement sur ton Kevan. commandant. Très bien. Bon bah là du coup moi je suis content parce que j'ai pioché la carte qui m'arrangeait parce que avoir un loup direct ça dans le dos ça aurait été un peu compliqué. Il faut de la chance partout. Hein. Alors moi de mon côté. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais activer mes arbalétriers directement. Comme ça, ils vont pouvoir faire une marche. Ça m'évitera de me taper l'attaque gratuite des archers en face si je bouge. Et Et ça ça va lui marche. donner une petite zone d'interdiction où s'il rentre dedans, il risque de prendre cher parce que je peux attaquer à la fois sur la couronne et sur les épées. Donc il va falloir qu'il fasse attention. T'attaques sur la couronne, ok. Ok. Là, on le sent déjà, il est sous pression là. Oh oui. Eh ben, je vais. Je vais jouer mes cartes Stark Spearmen. Et je vérifie quand même. On les déplace à 5. Et donc je vais faire. De toute façon, je vais faire une marche. Je vais aller prendre l'objectif tout de suite. Voilà. Ok, donc là c'est assez intéressant. Il n'a pas l'air d'avoir trop peur de moi. Non. Parce que vu que tu as activé tes Karstark, ils n'ont plus leur bonus, il me Oui, semble, de c'est défense. ça. Donc il a probablement des petites surprises, donc je me souviens plus exactement parce que je connais pas trop les cartes Karstark. Tu peux me rappeler ce qu'il fait, Brydon? Alors, Brynden, il a Dauntless, donc à chaque fois qu'on réussit un test de Thèse de la morale, on lecture. soigne de 1 Ouais. et Iron Resolve. Ok, donc Plus solide un au panic moral. test et moins un wound. Ok, très bien. Moi, je pense que je vais activer Pycelle sur la bourse. Je vais faire un petit bribery. Donc bribery, ça permet de remplacer l'effet de la bourse Non, par l'effet de la zone. l'effet de la zone par une carte qu'on va attacher à une unité. Et comme ça, elle va tirer à sa plus basse valeur de dé. Donc je pense que j'ai pas envie de le mettre sur les archers. Hop. Et du coup, elle sera retirée que quand ils feront un test de morale réussi. Un test de morale. Oui, c'est ça. Ou quand je les vise avec la bourse. C'est pour ça que tu prends la bourse. Et je vais te mettre un affaibli sur les mêmes, sur tes archers. Allez, un affaibli. Et c'est à toi. Et je vais jouer mes archers. Ok.
Je vais faire une marche aussi. Bah, décidément, les Stark, ils ont vraiment pas peur, visiblement. Je vais juste me éviter que tu aies la relance. Ouais, donc je peux m'avancer encore. Ouais. Un peu moins. Bon, le but c'est de pouvoir tirer sur les deux autres unités si elles veulent Et en avancer. morale, rappelle-moi, ils ont 8. 7. 7, ok. Ils ont 7 les archers en morale. Voilà. Donc, t'as plutôt quand même un meilleur moral que moi, je pense, dans l'ensemble. Oui, c'est normal, Stark, Parce que par moi, rapport à j'ai l'annexeur. 7, 7, 7 et 6. Ok. Alors, donc là, il m'a laissé plusieurs possibilités. Là, je pense qu'il faut absolument que je prenne les épées pour pas lui donner une attaque gratuite. Donc, il va me forcer un peu ça. C'est qui le premier joueur, d'ailleurs? Mais en Le premier soi. joueur, c'était moi. Non, mais c'est bon. Ouais. En soi, Pour nous. c'est pas si grave que ça. Écoute, on va jouer le grand moineau. Qu'on va jouer sur les épées. Hop. Est-ce que je shift Non, là je suis bien. Et je vais déclarer une attaque de tir sur tes archers. 4, 5, 6, 7. Donc on est à 6 dés, je crois. On va vérifier. 6 dés à 3 plus. Hop. T'es prêt? Oh oui. À souffrir? Ah bah super. Ça commence bien. T'as tiré sur qui? Tes archers. Sur les archers. Donc ça fait une touche. Sur les archers qui ont Bon, donc c'est le temps que les dés se chauffent, mais bon, après ça. 6-7. Je vais pas te faire relancer, hein. T'es sûr? Encore que. Non. Non, mais tu vois, comme ça, j'aurais quand même le premier sang. Ok. Donc j'ai une blessure. Et je vais faire un panic test donc à À 7. 7. Et c'est réussi. Ouh! Tout juste. Bribery. Et du coup, Barbary saute. Je te le rends. C'était l'intérêt d'avancer aussi. Je sais, mais je pensais faire un peu plus mal quand même. Ouais. Et donc tu tires sur la couronne, c'est ça? Je Avec peux ton tirer sur la commandant? couronne avec mon commandant. Du coup, je vais pas me permettre de le laisser. Alors, tu as activé Aria. J'active Aria, ouais. Enfin, tu vas, vas-y. Je vais prendre la couronne. Et moi, je vais utiliser un petit token et je vais te mettre un paniqué. Un petit. Ouais, c'est avant que je te fasse faire le test. Je vérifie. C'est à chaque fois qu'un de ces mucs une zone avant de résoudre le test. Ok, Hop. vas-y. Donc tu viens paniquer. Je vais juste récupérer la carte. J'avais Et oublié. c'est qui vient paniquer? De Sparrow. Bah, tes archers. Les archers? Bah, ça pourrait être Oh, n'importe qui. Ok, essaye de voir. et ah oui, alors j'ai pas dit, mais donc j'ai mis Jaqen dans ces Ok. Mountain's Men. Hein. Je joue Jaqen en attachement ennemi. Voilà. Ouais. Donc s'il me le détruit, tu Si pourras. j'arrive à détruire Jaqen, enfin à tuer Jaqen, je pourrais faire 3 blessures dans une autre unité, dont potentiellement un attachement. C'est ça. Ok, bah tu vas me faire un test de panique à moins 1. Et bah écoute, sur les Mountain's Men, Sur les qui sont à Montezmen. 7, Donc c'est un allons-y. test à 8. Bah écoute, ça fera 3. Très bien. Hop. 3 en moins. Ça marche. Ok. Alors, là, tu vas voir ça qui va être pénible. Je vais activer, hop, mes gardes. Qui vont avancer parce qu'ils n'ont pas peur, en tout cas pour l'instant. Reculer légèrement pour pouvoir pivoter.
mettre en position pour le prochain tour. Et ça va être à toi. À moi, ok. Je vais activer mes cartes Stark Loyalist qui vont faire une marche à 10. Ils n'ont pas peur non plus. Ouais, non, ils n'ont pas peur, non. Et qui vont se réorienter. À toi. Ok. Donc là, on a ça. Bon, on va activer les Mountain Men, hein, qui vont s'avancer également. Hop. À 10. On va prendre l'objectif, qui va être plutôt cool, et on va pivoter légèrement, comme ceci. Hop. Et ça va être à toi. Alors, Je vais prendre un donc du coup, je vais truc. pouvoir tirer dessus. Hop. Je vais pouvoir tirer dessus. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Et je vais te tirer dessus. Ah, ça c'est la pression du direct, on fait des conneries. Je vais te mettre juste cette carte parce que j'ai pas l'influence du grand mono, mais ça va la remplacer. On va faire ça comme ça. Ouais. Le grand moineau pour le soin, ok. Je vais te tirer dessus. Donc j'utilise l'ordre. Je vais rester où je suis pour l'instant. Et donc ça va faire 7 dés. Bon, j'ai vu que sur le Discord, vous avez quand même, il y avait un peu plus de supporters des Stark que les 7 dés Lannister. à 3 plus. Et ça fera Et je vais te faire 5 touches. je vais te faire relancer. Tu me fais relancer. Ça fera 4 touches. 4, t'as pas de Thundering ou de trucs comme ça. Non. Donc c'est du. Je me souviens pas. 4 ou 4, 5? 4, je pense. Du 4 plus, ouais. Hop. Allez, c'est parti. Bah, du coup, je vais en prendre deux. Hop. Et avec un petit test de morale. Test de panique De normal. panique. Donc à 7. 4, 5, 6, 7, ça passe. Pile poil. Dommage. Ok. Bon. C'est vrai que j'ai un peu pris cher là sur mon flanc droit, mais bon. On va essayer de survivre un peu. Je vais activer mes Robert Strong, qui est plutôt fort. Et on va aller là. Hop! Mettre un peu la pression. Ok, il te reste une manœuvre. Il me reste une manœuvre. Ça fait mal de se faire charger par ce truc. Après, bon, je suis quand même censé perdre vu que je suis un peu l'outsider, visiblement, Ah bon? de cette partie. Ah, oublie pas que tu as le moins 1. Ouais, je peux me déplacer de maximum 7. C'est ça. Et je vais me déplacer de 7. C'est bien 7. Et voilà. J'ai fini. Ok. Bah, moi, je jouais Qyburn éventuellement. Vraiment, j'ai vraiment le choix. Donc, je vais aller sur le cheval. Et là, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Pourrait être intéressant de mettre une grosse pression directe. Ça pourrait être rigolo d'avancer un peu mes pyros pour mettre vraiment une pression assez forte dès le début sur son unité. Ça peut être une solution. Allez, on est là pour jouer, on va avancer. Hop. Alors là, je viens de prendre l'objectif, je me souviens plus celui-là. Est-ce que j'ai une carte directe ou Non, pas? C'est c'était après. avant ça. Quand Donc. tu pioches, enfin si, au début du tour là, quand tu vas piocher, t'en prends une de plus, oui. Ok, bon, ça me va. Avant, tu piochais en le prenant. Ok. Du coup, fin du round. Ouais. On ne marque rien, c'est normal. Hop. Ouais, je vais garder mes cartes. Moi, je vais garder la carte que j'avais en main, qui me va bien. Tiens, je te rends ton influence. Hop.
Aria. Tac. Et du coup, là, je pioche 3 cartes pour en arriver à 4, moi. Vu que je contrôle l'objectif central. 2. 3 et 4. C'est bien ça. Hop, je vais montrer les cartes que j'ai eues. Hop. Alors, la première. On est bon ? Oriente un peu différemment parce que ça brille. Voilà, parfait. La deuxième. D'ailleurs, j'ai dû en piocher une de plus, en fait. Ouais, j'en ai pioché une de plus. Parce que je suis à 4. Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça que tu arrives à avoir intrigué subterfuge en main. D'accord. Exactement. Ah, attends, il y a la pression, là. Il y a un mirror. Et voilà. Ok. Bon, alors là, j'ai plusieurs choix disponibles. Ouais, début du round. Début du round. J'ai joué quelque chose. Vas-y. Donc, j'ai joué A Need for Vengeance. Alors, qu'est-ce que ce truc ? Je connais pas les cartes. Et bien, en fait, j'ai droit à une attaque gratuite. Ouais, ok, très bien. Et tu pourras... Donc, si c'est une unité Karstark, qui est la plus simple pour toucher. Et après l'attaque, tu pourras activer un NCU hors activation. Ok. Voilà. Vas-y. Alors, et ben, je vais tirer avec mes archers sur les Mountain's Men. Ok, let's go. Ou sur les pyros. Ou sur les pyromanciens. Non, sur les Mountain's Men, c'est bien. Cette carte a l'air d'être sympa quand même. Quoique, sur les pyros, je vais être sur le flanc en fait, je pense. Ouais, bon après ça changera pas grand chose, juste pour le test de panique. Pour le test de panique qui est important. Ouais, je vais faire un petit décalage pour être sûr d'être sur le flanc. Ok. Là. Donc là, je me retrouve sur le flanc. Et du coup, 7 dés à 3+. Ouais. Ah non, ça change pas grand chose, t'as pas d'ordre en fait sur eux. Ouais. Si, j'ai l'ordre de Robert. C'est un ordre ? Ouais, ah, c'est au moment où tu m'attaques, donc la résidence, ça marchera c'est pas. L'ordre de géant. Si, si, ça marche, c'est pour tout le round que tu perds ton ordre. Si oui, oui, mais c'est là que je vais l'utiliser. Ah oui, tu vas l'utiliser avant. Ouais, mais du coup, je vais continuer de taper sur les Mountain's Men, j'ai une chance de les tuer. Ok, let's go. 7D à 3+. Et ça fera 6 touches. Ils sont ultra motivés. 3, 4, 5, 6. Allez les gars, faut tenir. Ouais, c'est stat. 3 morts. C'est stat, 3 morts. Oh, il met quand même assez cher. On va pas se mentir. C'est le but. Que ça fait mal. Tasse de panique à 7 qui réussit. Qui réussit, très bien. Hop. Alors là, je peux activer gratuitement en NCU. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est l'idée. Ok. Bah écoute, je pense que je vais activer Grand Moineau. Vas-y. Hop. Alors là, je vais avoir plusieurs choix disponibles. Et ça, ça peut être intéressant. On va voir comment on va jouer ça. Ok. Alors, Grand Moineau, il va influencer l'unité d'archer. Mmh. Ah, attends, parce que je pense pas que je sois à portée, en fait. Mais si je shift... Ah, tu tires à distance avec cette unité, là ? Ouais. Mais à short range... Ah, j'ai bien fait de me décaler. Non, je ne suis pas. Donc, on va pas mettre... On sur va... eux ? On va pas le mettre sur eux. Quoique si, on peut faire comme ça. Hop. Alors, je pourrais taper avec Kevan, tenter de les faire perdre son test de panique et re-heal du coup cette unité qui est déjà un peu affaiblie. Parce qu'il faudrait pas que je les perde trop tôt non plus. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc on va y aller. Kevan va tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6 dés sur du 3+. Pour que l'instant. Que tu vas relancer.
Ça en fait 5. Allez les gars, là, c'est le moment là. Voilà, c'est ça 4. Qu'on veut. 4. Ok, donc à 6. Bon, ça fera 4 morts. 4 morts, je prends. Oui, je comprends bien. Et avec écoute, un jet de moral. Je vais jouer une petite carte. Ouais, on va faire un petit Ear Mirror, donc tu auras encore. Donc ça fait moins 2. Moins 1, moins 2 et plus une wound. Donc ça fait du 9. Je vais te faire tout relancer. Enfin, relancer les deux jets. Ok. Donc ça donc fait ça 3 morts. 3 morts. Et moi, du coup, grâce au grand moineau, je vais pouvoir me heal de 3. Ouais. Hop. Du coup, là, c'est encore à moi de jouer. Vas-y. C'est encore à moi de jouer. Alors là, je pourrais soit contrôler le cheval pour pas que le loup arrive, ce qui peut être une solution. Soit les retaper, éventuellement. Pour essayer de les achever, ce qui est quand même possible. Quoi qu'on constate, c'est pas non plus évident. Écoute, j'ai pas envie qu'on voit ton loup aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. On va prendre le cheval. Ça veut dire que t'as la deuxième dans la main? De quoi? Rien. Et on va approcher légèrement, parce que je pense pas que je serai à portée avec une marche. On va rapprocher ici. Pivoter légèrement. Et mettre un affaibli. Sur qui on met l'affaibli? Écoute, on va le mettre sur les archers quand même. Sait-on jamais. Ok. Et ça va être à toi. Je sais pas s'il y a des commentaires sur le live, Mathieu. Non, pas trop. Ok. Écoute, je vais jouer Rob. Vas-y. Je vais prendre la bourse, évidemment. Je vais enlever l'affaibli et me soigner de 3. Yep. Hop. On est bon? Vas-y. J'ai activé Kyburn. Sur la couronne, et je vais faire une attaque gratuite avec les Arba. Mmh. Toujours, on va cibler les nains, hein. On va pas changer une équipe qui gagne. 3, 4, 5, 6. 6 dés sur du 3+. Et écoute, ça fait 4 touches. Alors, 4 à 6, toujours. Ah, ça toujours pas. Encore 4 morts. Ça peut mourir. Sur un malentendu. 4 morts. Ça peut mourir. Hop. Casse pas tout. Voilà, ça y est. Ça y est. Je casse il le décor. Il perd tous ses moyens. Je casse le décor. C'est... Rien? Tu veux rien? Non, vas-y. Donc à 7. Ouais. C'est bon. On ressent quand même qu'ils sont un peu stressés, les archers, là. Non, regarde, ils y arrivent. On les sent moins sereins, des fois. Ils y arrivent sans problème. Et t'as encore une attaque. Ouais, c'est l'avantage avec ce général, c'est que tu peux vraiment multiplier les attaques. Je pense que c'est bien aussi dans ce genre d'armée de mettre peut-être un petit Dario. Comme ça, tu peux en plus attaquer sur la bourse. Ça te fait 3 zones où tu peux attaquer. Ça peut être assez intéressant, je pense, niveau en termes de building d'armée. Bon. Est-ce que je peux y arriver? Non. Mais en fait, je pense que si.
Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au début de mon tour, je vais faire un swift reposition. Ok. Je vais me décaler de deux par là. Écoute, t'embête pas. Tu mets la counter? Je vais faire un counter plot. Ok. Tu essayes? Oh, j'ai la couronne, ça devrait quand même passer. C'est bon. Ok. On va annuler ses plans. Pour ça aussi qu'on aime jouer Lannister. Hein. Mmh. Ben dans ce cas-là, je peux pas me permettre de les perdre. Je vais faire une marche. Tu peux pas marcher. Ah non. Non, mais je vais faire une manœuvre. Ah oui. Je vais faire une manœuvre de 5. Ça suffit ou pas? Oups. Ça y est, tu casses tout. Ça suffit pas. Non. Avec le shift, ok. Avec le shift, ça aurait passé du coup. Oui, oui. Mais j'avais même mieux, je pouvais te tirer dessus, je pense, avec un double shift. Te tirer dessus et que tu puisses plus me voir. Bon. J'étais où? J'étais là? J'étais avancé comme ça là? Un peu moins, je pense. Un peu moins, hein. Ouais, bah, ils vont tirer, hein. Sur qui tu veux tirer? Les mêmes? Là, je pense. Je change pas une équipe qui gagne. J'ai 4 dés. Ouais, ouais, s'ils doivent mourir, ils mourront. Ah, ou alors je te mets un affaibli. T'as combien de cartes en main là? 3. 3, ok. Voilà, l'affaibli, ça va pas faire des miracles. Mes 4 dés non plus. Je vais aller chercher des cartes. Ok. Par contre, je vais utiliser un petit token. Comme ça, t'en pioches qu'une seule. J'en pioche qu'une? Ouais. Ok. Ça, je pense que c'est... Qyburn, il doit être fort pour ça aussi. Pour contrôler un peu. Te mettre l'affaibli. Mettre un affaibli. Alors, attends. Je regarde juste un petit truc. Ok. Je vais te mettre l'affaibli, pas forcément sur eux. Je vais te mettre l'affaibli sur lui. Ok. Et au début de ton tour, je vais faire quelque chose. Vas-y, je te prie. Surprends-moi. Je vais jouer un ordre d'aria. Ah, il m'a surpris. Et je vais faire une petite manœuvre. Oh, le mec, il se rapproche. Ouais, j'aimerais bien garder le token par contre. Il est là. Ok. Ça marche. Ça me permet de charger. Ok, à toi. On est bon. Là, je me demande si je peux pas te bloquer avec une petite manœuvre assez fourbe. Imaginons que je me mette comme ceci. Tu me vois de face et tu pourras pas me charger à cause de ça. Ça doit être possible. On va tenter de faire ça. Hop. Alors, hop. Là, si on avance... Je pourrais te tirer dessus si tu avances par contre, avec l'ordre. Ah oui, oui, c'est pas... Non, mais je te... Rien. C'est moins grave, je pense. C'est au début, c'est que si je finis ma manœuvre, c'est ça? Ouais, à 12 pas. Pas de la flèche, hein, à 12 pas de l'unité. D'accord. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Une longue range, ouais. Parce que je peux éventuellement faire ça. Oui, tu peux. Reculer. Laisser potentiellement le token. Tu peux faire ça. Et repivoter pour bloquer. Effectivement. Pour bloquer comme ça. Dommage. Et en plus, la charge sera assez loin, je pense. Ouais, que je pensais pas que tu partirais de l'objectif, quoi. Ah ouais, mais je peux pas trop me le permettre, parce que si jamais tu me tues lui, tu me tues lui aussi. Enfin, tu me tues cet attachement. Ouais, ou Robert, Strong. Ouais, il est loin, non?
Ah non, c'est t'as pas de portée? Ah non, je crois Ah pas. ouais. D'accord, on est comme ça. Je vérifie. Non, non. Tiens, si, est-ce que tu aurais pas un petit plateau pour vérifier si mon placement est bon? Là. Ouais, parfait. Hop. Non, je pense pas que je puisse. Normalement. Ah. S'il y a un poil, bon, un détail. Ouais. Donc en fait, il faut que j'aille un peu moins loin. Hop, je m'approche comme ça. Hop, et là on est bon. Ok. Ok. Alors, je vérifie quand même. Sait-on jamais. Ah, bon, bah tant pis, c'est dommage. Ouais, ok. Ah bah tu me fais quand même perdre un point. Alors je vais te charger, hein, je pense. Je vais faire une charge au milieu. Charge ici? Ouais. Ok, donc tu t'actives ici. Je vais m'activer au milieu. Je vais te faire un petit truc. Vas-y, subjugation of power. Subjugation of power, vu que je contrôle la couronne, c'est un test là. À moins 2. Moins 2. Et tu perdras toutes tes capacités si jamais tu l'échoues. Ça doit être un test à 8. C'est un test à 8. Facile, non? Non. Donc tu perds. C'était un test de morale. Morale, ouais. Donc tu n'as plus tes Donc, capacités. J'ai pas perdu, j'ai sûr. Jusqu'à la fin. Toutes mes capacités. Jusqu'à la fin du tour. Tour. Ouais. Eh ben écoute, c'est pas très grave. Hein. Ouais, je pensais que c'était déjà la fin du round. Je me suis fait je un te peu charge, avoir. Non, ça serait fort. Alors, ouais, vas-y. Alors, je regarde. Donc, je suis à moins 1. Donc, t'es à 3. Je suis à 3, oui. 3 c'est mouvements. Un 6, donc c'est un 3 plus. Yep. C'est bon. On est bon. Je vais venir mettre à 100%. Ok. Ouais. C'est bien. Alors, t'as un test de panique à moins 3. Attends, j'ai le droit de jouer des cartes quand même? Oui, oui, vas-y. Non, mais. Mais pourquoi? Ah, t'as parce que visage? J'ai horrifié visage. Très bien. Il me semble. Mais du coup, c'est moi d'abord, je pense. Vas-y. Horrifique visage, je pense. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Je vais jouer. Ouais, mais du coup. Non, mais ça doit être après ça. Ça doit être après toi, je pense. Ok. Donc un test à moins 3. Moins 3, donc à 9. C'est bon. Pile poil. Alors là, est-ce que t'as Winter is Coming ou pas? Winter is Coming, c'est sur la charge. Ah, ok. C'est avant. Non, j'ai Northern Ferocity. Donc je vais gagner Vicious. Ok. Juste Vicious. Et donc j'ai 7 dés. Sur du. Un 4 plus relançable. Ok, let's go. Oh, ils sont énervés. Hein. Oh, ça va, oh. C'est juste des stats, ça. Ouais, oui. J'ai anticipé. Voilà. Ah, ils sont ça énervés. Fera 5. C'est ça. 5 à 6. 5 à 6. Alors, est-ce qu'il faut que je déclenche tout de suite après que les attaques d'ice. On sont lancés, donc je vais l'utiliser tout de suite. Vas-y. Utiliser mon ordre. Après vous lancer, pensez bien à laisser les dés pour les jeter en définie. Ouais. Donc je suis à 5. 5 à 6. Je fais pas de 6, donc ça fera 2 morts. Et un test de panique à moins 2. Test de panique à moins 2, je vais donc passer à 8. Test à 8. Magnifique. Le talent. Alors, une fois que tu m'as attaqué, je vais jouer une petite carte. Je vais faire Seeing the Flows. Donc, après qu'une unité ait fini son attaque, elle va devenir vulnérable et paniquée. J'attache cette carte jusqu'à la fin du round. Et quand elle est attaquée par Kevin Lannister, elle perd toutes ses capacités et ne peut pas être la cible de carte tactique. Mais au moins. Comme ça, il y a les tokens de prix. Ouais. À toi. Ok. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal parce que ouais. Je conteste, ils me contestent pas l'objet. J'ai fait une grosse erreur. C'est pour ça que c'est pas trop mal. C'est quoi ton erreur? Ah, c'est que t'es peut-être au niveau des cartes. Je l'avais dans la main en fait. Ah d'accord. Winter is Coming. Aïe aïe aïe. Et j'ai pas joué avant le trigger, donc j'ai pas voulu ouais. La jouer après. J'avais déjà lancé la charge, donc voilà.
Ouais, c'est un peu la carte, c'est vrai Et que. j'avais oublié que t'avais l'ordre en fait, je me disais bon, Ouais. s'il a des cartes c'est pas très grave, mais l'ordre, c'est l'ordre en fait, Tu j'ai disais oublié l'ordre. que t'allais Mais c'est mettre pas cher quand grave. même. C'est pas grave, Bah j'aurai pour plus tard. écoute, là ce coup-ci, je vais activer Kevan. Ouais, je joue une carte. Ok. Je te taunte. Avec Karstark. Ah. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Ah non. Ouais, parce qu'on allait T'as faire cru que prendre, c'était nous. pour charge, oui. Ah oui. Alors c'est un test Effectivement. à moins 3. On teste à moins 3, donc je suis à 10. Bon, c'est des arbalins mystères, mon gars. Ils ont Ouais, pas et peur. donc? Aïe. Ils ont pas peur. Alors, on va devoir pivoter quand même correctement là. Ouais. On n'est pas à ça près. Ah, il faut que tu pilotes plus que ça. Oui, c'est pour Ouais. ça. Faut que tu passes la barricade là. C'est pour ça que je le mets. Ouais, effectivement, c'est un gros pivot. Parce que tu vas peut-être même la louper d'ailleurs. Bah c'est pour ça. Elle va être. Non, c'est pas une si grosse que ça là. Ah, quand même, non. C'est une. Non, ça touche à 6 là. Ça touche à 6. Ça touche à 6. Ok. Bah, let's go. C'est à combien? On verra. Bah 4. 6, donc c'était un de plus. Un plus même. Ok. De bon, toute façon, les arbas, ils ont pas peur. Non, être engagé. Être engagé. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ils auraient peur, quoi? Hop. Alors. Alors là, il faut que je vois les stats parce que bon, ça n'arrive pas souvent. Alors, 5D à 5+. Ouais, c'est large. Là, je pense que Raiden, il va mourir. Mais. Oui, 5+. certainement. T'as pas de relance. J'ai pas de relance. Non, Avec le taunt, c'est. avec la carte. Ouais, j'ai Stand Your Ground. C'est l'unité. Ok, donc une Quand elle touche. est engagée avec une Une à deux seule, plus. une touche à deux plus. C'est bon. Aïe, Ça me fait passer un moral test. Tu prends une blessure. aïe. Allez, hop. Bon là, ça a bien retourné la game cette carte, j'ai l'impression. T'es activé. Je suis activé. Ouais. C'est la carte que tu m'as fait piocher avec Arya. La seule carte que j'ai piochée. Avec Aria? Ah oui. Bah pas de chance. Pas de chance. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok. Je vais activer mes archers. Ils vont faire un petit shift. Et ils vont tirer sur ton petit flanc. Le flanc de Robert. Ok, donc là tu as encore un test. Ah. Ah, c'est mêlée attaque. Ouais. C'est bon. Très bien. 4D. 4D à 3. Ça fait 2. 2 à 6. 2 morts. Là je perds le contest. Et un test de panique à moins 1, donc plus à 7. On est bon. Et moi j'ai un test de panique aussi à 6. Oui. Qui est bon? C'est bon. Tu fais relancer ou pas? Non. Eh ben tu prends une blessure de plus. Aïe, aïe. Commence à devenir compliqué là. Donc il reste ça. Ça c'est joli, il te reste ça. Bon bah je vais activer Robert. Hein. Donc ça va se faire déjà deux blessures. Alors, on va commencer par deux blessures. Non, il fait mal, Robert. Hop. Ensuite j'ai toujours 7D. 7D à 3+. 4, 5, 6, 7. Je Ouf. suis affaibli. Bon, l'instant, ils sont Oui. très motivés. Tu relances. Tu touches à combien? Je touche à 3. Ouais, tu relances. Donc là, C'est ça fait mieux. un peu moins. Ça fait 4. Ça te fait des blessures, Léa, ou pas? Et les 1, je prends une Ouais. blessure. Je Ça me. en fait 4, mais j'ai pas de save, c'est ça? Tu n'as pas de save. Ouais, ça c'est dommage. Donc j'ai juste le test de morale. T'as toujours ton Sheetwall que tu peux utiliser, je crois. Ah bon? Le Vu shield wall marche que. là-dessus? Ah, c'est des. Tu peux les Ah oui. bloquer. On peut les bloquer, donc Il oui, me j'active semble. le shield wall, hein, si c'est possible. Yep. Si ça reste des hits, je peux les bloquer, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc tu peux en bloquer. J'en ai fait 4. Tu peux en bloquer 3. Ouais, j'en bloque 3, bien sûr.
Donc on a une de plus. Le shift est avant le taunt. Le shift est avant le taunt. Ah, c'est que si j'avais shifté, j'étais plus en range. Mais de toute façon, je l'aurais pas fait. Quel shift est avant le taunt? Ah, quand tu t'actives? Non, c'est quand tu... Non, le shift, c'est quand tu choisis ton action, donc c'est forcément après l'activation. Ok, bon, de toute façon, moi, ça aurait pas changé grand-chose parce que j'avais pas du tout anticipé le truc. J'ai un test de morale. À moins 2. Donc à 8. Et j'ai 2 blessures. 2 blessures, ça me va. Ça te va? Ça me va. Et ben 2 blessures. On récupère le contrôle de Lokjo. Mais ça va être compliqué quand même. Je vais attaquer avec Brinden. Ouais. Il va se déplacer à 100%. Ok. Je regarde quand même si on n'a pas décalé l'objectif. Non. Ok. Et donc, Brinden, il a 7 dés. Allez. À 4+, non relançable. Et ça fera 2 malheureuses touches. 2 à 4. Je crois que je suis à 4. Hein. Oui. C'est ça. Bah 2 morts quand même. Bien. Test à 7. Ça passe pas, j'en repère 3. C'est bien tout ça. Ouais, là le taunt, ce qui me met vraiment dedans. Ah, j'aime cette carte. Bah là, ouais, c'est super fort. Le taunt que tu sais pas si ton adversaire là ou pas. Je suis ultra coincé. Ouais. Et bah là, je pense que ça va être compliqué. Hein. Quand tu m'as dit je peux bouger avec le truc pour m'empêcher de te charger, je me suis dit s'il avance, il va faire en sorte que le taunt soit pas possible sans faire gaffe. Ah oui. Parce que j'ai bien vu que tu voyais pas trop le truc venir. Non, mais j'ai pas regardé tes cartes. Ouais. Comme ça, j'avais la surprise aussi. Bah, je connais pas tes cartes non plus du coup. C'est à toi. Il me reste eux. La dernière activation. Donc eux, ils vont juste se rapprocher. Hop. Allez, prendre l'objectif. Hop. Je pourrais pas me rapprocher autant. Hop. Comme ça. Et ça va être à toi. Alors, est-ce que je te charge ou est-ce que je te charge pas? Non. Je vais pas te charger, je reste à long range, donc je vais rester où je suis. Oh, on voulait les voir en action? Ouais, plus tard. T'es sûr? Oui. Ok. Allez. Ok. C'est bon? Donc on compte les points. Bah là j'en marque 1 et 1. 2-2. Ça fait 2-2. 2 points chacun. Bon, pour l'instant c'est équilibré, mais je pense qu'au prochain tour, ça va vite partir d'un côté ou de l'autre. Rien pour toi. Hop. Et c'est moi qui te deviens premier joueur. Donc là, 2-2. Donc là, tu peux mettre un affaibli, je crois, n'oublie pas. Je peux mettre un affaibli sur ton copain, là, Robert The Strong. Ouais, j'ai regardé que j'ai On fait. Est bon. J'ai bien regardé. Moi, je peux avoir une carte de plus, et là, je gagne vicieux, mais du coup, ça sert à rien. Ok. Donc là, je pioche 4 cartes. Ouais, je regarde. T'as joué toutes tes cartes. Là, je vais garder mes 2 cartes. C'est moi le premier joueur. Alors je vais montrer mes cartes. Alors attends, tu me dis quand t'es prêt. On est bon? La première. C'est bon? Ouais. Tu vois bien? La deuxième.
Tu devrais mets les plus verticales. Les plus verticales, comme ça. Nickel. La troisième. Mets ta main là. T'as trop peur que je vois tes cartes. C'est ça. Ouais. Je te connais, toi. Et l'autre. Voilà. Allez, je vous montre les miennes. Tu me dis quand c'est bon. Ok. Alors tu moi. Tu peux enlever tes NCU, s'il te plaît. Ouais. Hop, j'enlève tout. Et tes bannières, très bien. Tu voulais faire quelque chose. Ouais, j'ai un truc à faire au début du tour. Au début du tour. T'as quelque chose à faire ou tu sais pas, t'hésites? Tiens, ça. Et ça, tu. Ça reste ça? Non, ça s'enlève aussi. À la fin. Oui, à la fin. The end of the round, ok. Hop. Ah, c'est tendu. C'est tendu. Ouais, je vais jouer une carte. La même que tout à l'heure, Need for Vengeance. Donc okay. Je dois une attaque. Et je pourrais activer un NCU juste après. Tu pourras activer un NCU juste après. Ok. Et du coup, moi, je joue mon start... C'est start of any round, moi. Donc, on fait ça d'abord, et ensuite, on fera autre chose. Ça marche. Alors, je réfléchis à qui va taper. Je vais taper avec... Je vais taper avec... Tu perds combien de dés si tu passes à un rang, là? Alors là, je suis à 7 sur les deux rangs, et sur un rang, je suis juste à 4. Les mecs, ils sont en point sur les règles. Hein. Bah écoute... Mais écoute, je vais... C'est pas mon armée de prédiction. Hein. Je vais taper Robert, ouais. Je vais taper Robert. Donc j'ai la relance, parce que c'est une unité Karstark. Ok. J'ai pas la relance, j'ai plus un tweet, pardon. C'est la carte qui donne plus un tweet si c'est une unité Karstark. Ah. Ça, c'est Karstark? Non, je tape là. Ah, tu tapes avec eux? Avec eux. Ok. Ou alors je tape... Ah ouais, non, je tape avec... Ouais, tu vas me taper dessus après, probablement. Est-ce que tu peux... T'as dit que t'avais combien de dés à un rang, là? 4. Et à 2? 2 à 7, 7. Ah, tu perds pas de dés je entre 2 et 3. Ouais, donc il faut que je t'enlève ton rang. Ok, je tape avec eux. Ok. J'ai 5 dés. Donc, ah ouais, mais t'as test, encore... Qui teste à moins 2. Robert the Strong. Non, je tape là-bas. Je tape là-bas. Ok. T'es sûr? Oui. C'est ton dernier bout. Parce que là, j'ai 7 dés à 3+. Je tape avec les Spearmen. Avec les Spearmen Karstark. On va essayer de lui enlever une activation. Ça fera 5 touches. 5 touches à... Je suis de côté, donc ça passe à 5. Non, je tape avec eux. Donc 4. Aïe. 4 morts. C'est bien ça. Ouais, c'est pas terrible. Si, c'est bien. Est-ce qu'on va assister au dernier moment de Kevan? J'ai de morale à 7. Attention. Et non. Et non. Il est solide. Voilà. Ce que tu m'as mis n'empêche. Ok. C'est donc à toi. Donc là, je peux faire un truc gratos. Non, tu peux activer un NCU gratuitement. Ouais. Ensuite, on fera le début de tour. Ok. Alors là, j'ai plusieurs choix disponibles. Je pourrais éventuellement tenter ça. Non. Après, est-ce qu'il... Non, il va dire. Le taunt, il pourra pas le refaire. Je
pense qu'il faut que je fasse un truc comme ça. Avec le grand moineau. Ouais. Sur les épées. Le grand moineau va influencer eux. Ok. Et je vais faire une attaque gratuite avec Robert The Strong. Robert The Strong. 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 dés, donc t'as déjà 2 blessures. Ouais, ces 2 blessures, elles font mal. Et c'est du 3+. Je suis affaibli. Tu relances. Évidemment. Tu te fais déjà une blessure ? Ouais. Oh, c'est bien ça. Hop, ça t'en fait 4. Tu te fais 2 blessures ? Je me fais 2 blessures. Ça en fait 4, j'en bloque 2 avec mon orbre. Ouais. Donc ça m'en fait 2. Ouais. Et un test de panique à moins 2. T'es plus affaibli. Moins 2, on va tenter de... Est-ce qu'on tente de faire ça ? Non, vas-y, vas-y. À moins 2, donc à 8. Ouais. Bon. Je vais le faire relancer le dé de dégâts. Je relance le dé de dégâts. Pour tenter, éventuellement. Après, ils prennent moins cher, tu m'avais dit. Non, c'est les autres. Ah, c'est les autres. Non, non, c'est les autres qui prennent un de moins. Donc non, là, t'as perdu 3. Ils sont morts. Et du coup, je gagne 3. 3 avec l'influence du grand moineau qui est parti, malheureusement. Et t'as droit à... J'ai le droit à une percée. Une percée. L'idéal, ce serait, vu que c'est encore à moi de jouer après. Non, non, c'est à moi après. Ah, c'est à toi de jouer quand même. C'est moi qui commence au début du tour quand même. Ouais. Je pourrais, si je bouge à 5, essayer de sortir ta ligne de vue. Déjà, je l'ai pas, là. Oui, oui, probablement. Après, ton attaque, ça compte le shift ou pas ? Ben, si je te vois à la fin de mon shift, oui, je peux tirer. D'accord. Donc, en théorie, si on fait quelque chose... Ah non, parce que si je peux pas faire mon ordre si je suis pas en ligne de vue. Ouais. Si on fait quelque chose comme ça, normalement, c'est bon, là. Dès que je pivote, il faut que j'avance un peu moins pour pouvoir pivoter correctement. Ça doit faire quelque chose comme ça. Et là... Ouais, t'as pas l'objectif par contre, hein. Tu t'es parti avec. Je suis parti avec. Hop. Ça doit faire un truc comme ça. Mm-hmm. Et t'as joué ton ordre sur cette unité, d'ailleurs. Non. Tu m'as tapé là. Ah oui, pardon. Oh, oh, oh. Ah, c'est les Lannister normalement qui font des coups fourbes comme ça. On se calme, on se calme. Bon, pour le premier live, on est 24. Bah, c'est bien. Alors. C'est à moi. Début du tour. Non. Oui, mais je réfléchis si j'ai un début de tour aussi. Ah oui, d'accord. Voilà. Vas-y. Que je vais faire avant toi, si j'en ai un. T'es trop loin. C'est beaucoup trop loin. Trop loin. Mais cherche pas. Non, je vais faire un début de tour, moi. Je vais faire Aria. Ok. Je vais pas te laisser me charger, quand même. La forêt, elle empêche rien. Hein. Elle empêche juste les lignes de vue. Et t'as un autre truc aussi, je crois. Cover. Ouais, fortifiée. Elle est fortifiée maintenant, je crois. Ah, bah ça m'arrange, ça. Je passerai à 6 de défense. Ah! Non, c'est simplement rien. Oui! J'essaie de sauver le doute. Ah, vas-y, tu peux faire ton début de tour. Début du tour, alors je vais choisir ANCU, donc je vais choisir le petit Rob. Ouais. Et je vais choisir cette unité. Ouais. Et si tu actives une de ces deux unités, je peux faire une attaque, une marche ou une retraite gratos. Alors, à quel moment? Bah avant. Before, avant que tu fasses ton action. Avant que je fasse mon action. J'ai une attaque. Elle est très forte, cette carte, je trouve. Ouais. Donc attaque, tu peux attaquer avec les arbalétriers, ça va te servir à rien. La marche, elle va pas te servir à grand chose non plus. Donc tu peux faire une retraite, c'est ça ? Une T'as retraite. Une manœuvre aussi ? Une manœuvre. Et je peux tirer aussi. Ça tire là. Ah il tire, rien, ok. Bah je te préviens quand même. Oui. Parce que ça peut.
Ouais, après, bon, ça n'a pas changé grand-chose, en fait. Si tu tires, tu bouges pas. Si je tire, je bouge pas, bah je peux shifter. Ouais, tu peux shifter. Tu peux shifter. De toute façon, mes archers sont morts. Qu'est-ce que je peux faire? Il faudrait que je fasse ça. Je mets la carte. Ok. La pression là. Non. Mais elle est quand même tendue la partie. Hein. Parce que là, pour le moment, je vois pas. Je pense qu'elle peut encore se retourner de chaque côté. Parce que quand même des unités assez faibles en PV, t'as toujours ton loup qui est sur le côté, qui a pas joué. Est-ce qu'il va jouer? Il est à la niche Est-ce là, je qu'il sais va pas. jouer? Je sais pas. Ils sont partis en promenade avec Rob. Bon, bah, quitte à ce qu'elle. Ok. Je vais jouer Rob. Ok, donc je peux faire une attaque ou une retraite. Vas-y. Bah là, il faut que je t'enlève l'activation, hein, je pense. Il faut que je t'enlève l'activation. Je vais pas avoir trop le choix. Est-ce que j'ai envie de bouger très loin? Toi. Ah, c'était début d'un tour et demi, effectivement, Aria. Je me suis trompé. Ouais. Ah, tu l'as fait au début du round? Ouais. Ok. Bah, du coup, il faut que. Non, je l'ai fait au début de mon tour. Ah oui? Non, c'est ça? Bah oui, mais Oui. c'est au début d'un tour et demi. Ah, ok. Ok. Donc, faut que je me remette en place. Comme tu veux. Après, qu'est-ce que j'aurais choisi d'autre? Si tu n'avais pas bougé, eux, j'aurais sûrement choisi cette unité. Oui. Je pense. Mais j'aurais pas changé, j'aurais joué Rob de toute façon. Ok. On remet en place. Allez, bah. Bah, comme tu veux, bah c'est pour éviter de faire de la Ouais. merde, quoi. Comme tu veux, vas-y. Ouais, j'étais. On va refaire un 5. J'ai avancé de 5. J'étais comme ça. Ok. Bon, en fait, autant que j'aille sur l'objet du coup, parce que en fait, j'ai pas trop d'intérêt ce tour-ci en tout cas à aller par là. Ou sinon, je fais ça, après ça, ça. Je vais du coup. Éventuellement tenter une retraite et pouvoir essayer de me barrer un de ces quatre, mais ça va quand même être compliqué. Ouais. J'ai plus trop de heal. Allez, bon, on va tirer. Hop, je vais juste shifter pour récupérer l'objet. Ouais. Je pense que je vais être à Bah après portée. du coup tu sais que je peux le faire au. Ah non, je peux le faire au début de ton tour, donc je peux pas te charger tout de suite, ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai dit que j'active Rob. Hein. 3, Ok. 4, 5, 6, 7. Allez. Bon, il n'y a plus qu'à essayer que je fasse Pas trop de 1, s'il que vous des 1, quoi. plaît. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est pas mal, ça. Ça, Bon, je suis mort. les ingénieurs. Je suis mort, tu gagnes. T'as gagné 2 points. Les ingénieurs à Lannister, ils sont pas au point là. Hein. Ouais, c'est bon, tu viens de tuer 2 unités quand même. Ouais, mais j'ai pris cher quand même. Ok. Bah Donc là, toi, tu tu. joues Moi, Rob. je joue Rob. Ouais. Vas-y, non, je l'ai pas. Tu l'as pas? T'as pas la J'ai deuxième. pas la deuxième. Ok. Je vais pouvoir mettre mon petit loup du coup. J'aurais bien aimé, ça aurait été drôle. Ah ouais, ça aurait été vachement drôle. Ah, moi, je me serais bien marré en tout cas. Ouais, donc c'est J'ai un eu un outflank. 4-2, hein, je n'ai pas de bêtises. 4-2, oui. Est-ce que c'est que sur un flanc ou c'est un peu partout? Non, mais c'est un outflank, c'est in short range, genre off any flank. Ok, donc tu peux pas le mettre dans ta zone de déploiement. Non, Ok. effectivement. Donc ça a été joué. Hop, on va clean un peu. Bah, de toute façon, je vais le mettre derrière
Je vais aller le mettre derrière tes mountains même. Il sera bien là. Ouais. Ok. Et donc, il a l'attachement de robe. Ouais, donc si tu charges... Chaque fois que je charge, panique est vulnérable. Sur un côté. Ouais, côté de ou l'arrière. Ou l'arrière. Ok. Début de mon tour. Vas-y. Donc, c'était un truc à faire ou pas? Non. Tu fais pas rien. Ok. Je vais faire un Lannister paye toujours ses dettes. Ouais. Que je vais mettre ici. Bon, là, ce loup, il est quand même très emmerdant. Ouais, ça va, ça fait trois tours qu'il tourne dans l'eau, là. Qui court dans l'eau pour qui nage. C'est pour ça que c'était un peu long. Kevan, il va mourir forcément. Je vois pas comment je vais le sauver. Tu peux être loup encore. Ah ouais, là, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Je pourrais lui mettre un affaibli pour prendre un peu moins cher. Et encore, c'est pas sûr que je prenne moins cher. Piocher des cartes, prendre la couronne. Ouais, je suis pas très très bien là. D'utile. Et prochain tour, c'est moi qui vais commencer. T'as aucun moyen de faire une attaque gratuite? Si. Ah oui, bah oui, t'as forcément. Assault Order. Assault Order. Dans les Stark. Et après, j'avais le Need for Vengeance, mais j'ai passé les deux. Ouais. Donc la Sorder, ça ne mettrait pas bien du tout. Ah, je suis un peu coincé là. Ça devient compliqué. J'ai pas forcément les cartes qu'il me faut. Avec non, je trouve que tu as eu de très bonnes cartes. Hein. C'est bon. Non, mais tout de suite. Je veux dire actuellement. J'ai pas forcément ce qu'il me faut. J'ai l'impression que mes deux unités, je vais pas résister sur ce côté-là. Ah oui, bah c'est un peu le but, oui. J'espérais résister un peu plus. T'as combien de dés avec lui? 4, comme tous les loups. Et c'est lequel, du coup? C'est celui qui met le moins 1 pour toucher? 3 plus. Ouais, c'est Disrupt. Ok. Bon, je pense que je vais prendre... je vais prendre l'ami Pycelle. Je vais me soigner. Mm-hmm. Les Mountains Men. Et je vais mettre, on sait jamais, ce que ça peut faire, un affaibli sur Brynden. Un affaibli sur Brynden. Très bien. Très bien, très bien. Donc t'es toujours pas activé au milieu. T'es pas activé au milieu, ok. Je vais activer Brynden, ouais. Je vais activer Brynden. Ouais, c'est le moment de tout louper. Ah, j'ai oublié tout à l'heure. Mais bon, je vais y penser si je survis. Mais j'avais la... Lannister Supremacy. Lannister Supremacy là-dessus, ouais. J'ai zappé. Tout à l'heure. Ouais, après... Ça aurait changé peut-être. Bah, t'aurais pris moins cher, mais... Je suis à 5, quand même. Ouais, t'as vu que t'avais tapé avec les archers dessus, à des moments. Ah oui, bah... T'aurais peut-être pu... J'y ai pas pensé non plus. Ouais. Bah, après, c'est un peu la première fois qu'on joue ces armées. Je vais taper à 7D. Allez. À 4+. Yep. Il y en a deux. Ouais, écoute, je vais te faire relancer. Hein. Sait-on jamais. Bon. Bah là, je vais en profiter. Hein. Petite Lannister Supremacy dans tes dents. À moins 1, plus 1. Je vais te tuer avec ça. Bah tu peux pas m'en faire deux.
Non, je peux t'en faire qu'un. Bah oui. Ouh. Moins 1 plus 1, donc non, bah c'est pas bon du coup. Parce que ça veut dire que je suis à 6. Parce que le plus 1, c'est mon attachement, c'est ça? T'as dit moins 1 plus 1. Ah non, bah, le moins 1 plus 1. Bah, je prends 4. Je le perds de 1. Bah tu prends 3 du coup si tu réduis de 1. Ah oui, je réduis de 1, donc je prends 3, pardon. Ok. Bon. Bon. Dommage. Bon, après, t'as toujours la saute order qui peut arriver. Ah oui. Mais au moins, j'aurais un peu survécu. C'était pas vraiment. Ouais, je t'aurais bien enlevé l'activation. C'était pas vraiment prévu. Tac, tac, tac. Je pourrais te mettre ça. Je vais activer. Est-ce que je les taperai? Je les activerai pas au cas où. Ouais, je vais les activer au cas où. Comme ça, je ne perdrai pas d'activation. Et je vais taper. J'espère qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Léa. Non. Il y a le moins. Il n'y a pas de lash-out. Bon, là, par contre, niveau D, ça va être quelque chose. Tu peux prendre 1 si je réussis le test de morale, c'est tout. Là. T'as quoi, 3D, non? Là, il faut que tu trembles, mon gars. 3D à 5+. Là, c'est le moment où tu trembles. Je suis pas à 2+, par contre, là, hein, vu que je suis activé. Ah ouais, je suis bon. À chaque 4+. Il faut que j'arrive à toucher, quand même. Tout à fait. Il faut que j'arrive à toucher. Bah, une touche. Donc, à 4. C'est bon. Voilà. Et donc, tu prends une blessure. Ouais. Bon. Je vais activer Aria. Ouais. Ah, il a la carte. Ouais, je l'ai. Je le sentais. Je vais me mettre ici. Je vais te laisser faire un. Ouais, je vais me mettre sur le. Je vais te prendre à utiliser un token, t'auras une carte de moins. Ah, pioche. Non, mais je pioche pas. Ah, tu pioches pas? Ah oui. J'attaque. Je remplace la zone. Ok. Ben, je pioche une carte de moins, c'est bon. Tu peux enlever le token. Je sais pas si ça marche, ça, du coup. Je sais pas de l'étape, tu vois. Le séquençage, c'est quand ça. C'est que tu pioches une carte de moins. Non, c'est avant de faire la zone effet. Ah bah oui. Bah du coup ça marche. Non, c'est moi. Moi c'est quand quand on claim la zone que je dois l'annoncer. Donc c'est avant. Vu que je suis le joueur actif, je joue forcément avant. Ok. 7D à 4+. Cette fois je suis pas affaibli, je devrais bien pouvoir faire quelques blessures. Et ça fera 3. 3. Ah, ça peut survivre. Non. À 4+. Allez. Oh, c'est pas passé. Ah, rien du tout. Ça te fait un point. Allez, ça me fait un point. Oh, Kevin, pas toi. Je sais pas ce que tu lui as dit pour qu'il soit stun comme ça, mais. Ah, le taunt, t'as bien marché, ouais. Ouais. Le taunt, t'as vraiment bien marché. Je sais vraiment pas ce que t'as pu lui dire, mais. Et je vais faire une petite manœuvre. Tu te rapproches. Il va falloir. Il a pas peur. Ok. Bon. Le loup, ça va être pénible. Le loup, ça va être pénible, mais on peut tenter un truc un peu comme ça. Parce que toi, il te reste quoi? Il te reste 1, 2 actifs. Ouais. Eux, ils ont joué? Non, ils ont pas joué. Bah non. Là, tu m'as enlevé 2 activations, ce tour-ci. Ouais. Donc, t'as un bon avantage. Et surtout que j'ai pas réussi à te les tuer avant que tu les actives, les arbalétriers. Mmh. Le loup, il a combien de morale? Non, il... Deux. Oh. 2 plus. Tu peux lui faire un test si tu veux. Ah, c'est tentant. Hein. Oui. À moins 1, il peut mourir. Et eux, ils ont 6. Alors, eux, ils ont
6, oui. 6, et c'est moi qui suis premier joueur prochain tour. Oui. Ok. Écoute, on va tenter. On teste à 7. Pour voir s'ils sont vraiment loyaux. S'ils sont vraiment chauds. Ah, ils sont chauds. C'est passé. Bon. 4-3, oui. Ah là là, tu veux pas les activer, c'est mon Mountain's Bend, hein. Ah, je me dis, bon bah, je pourrais essayer de te taper. Ça te fait plus un hit quand tu tapes? Hein? Ça te fait plus un hit? Bah, si tu m'enlèves pas deux rangs, oui. Ouais. Il y a peut-être moyen que tu les enlèves, par contre. Mais bon, je me dis qu'il y a peut-être moyen que ça passe. Même si tu me charges de dos, je vais prendre cher, mais vu que je vais avoir le prochain tour après, il y a peut-être moyen que j'arrive à te sortir le loup. T'as pas Thundering? T'as combien de dés à un rang avec? Un rang? Ah, ça doit être 4. Ça doit être 4, ouais. Je dois avoir... Ouais, c'est ça, 4 dés à 4 plus sur un rang. Ouais, c'est ça. Et je me heal à chaque fois que tu t'échoues à test de panique. Mais bon, là, ça va être compliqué. Avec quoi, ça? Pre-on Sphere. Ah, t'as Pre-on Sphere, ouais. Ah oui, oui. Ouais, mais ouais, t'as vicieux. C'est quoi que tu gagnes quand on a le même nombre de rangs? Plus un critique? Comment? Critique et plus un tweet, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah, il faudrait que je t'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, oh, c'est faisable, hein. Si, c'est faisable. Et si on est tour 3, là? Oui, ouais, on est tour 3. Ouais. Pardon. Bon, ok, je vais déjà te charger là, je pense. Allez. Let's go. Ouais, je vais te charger là. Bon, c'est du. Je joue ma carte. Winter is coming. J'ai joué avant que le dé. Oui, c'est bon. Vas-y. Donc là, j'ai pas d'ordre. T'as pas d'ordre et pas de carte. Ok. Ah, je l'aurais joué tout à l'heure, ça aurait été trop bien. Bah ouais. Sur la charge là. Bah c'est la carte qu'il faut, qui est vraiment très forte pour les contrer. Hein. Ouais. Du coup, j'ai. Tu deviens vulnérable parce que j'ai chose charge. Ouais, allez. Et j'ai précision, 7D. Oh, ça va piquer quand même. À 4 plus par contre. Ça va quand même bien piquer. J'ai plus un à la def, quand même. Ah bah oui, forcément. Puisque je te charge à travers le... Donc j'ai déjà un mort. Bon, t'as déjà un mort. Et ça fera 4 autres morts. Pourquoi 4 autres morts? 4 défenses. Oui, oui, 4 défenses. Du coup, ça passe non, mais ça va être des morts. J'allais plus vite que... C'est du 2+. Plus. Du 2+. Plus. Bah oui, je suis à 3. Plus ah oui, 1. J'ai pas... Ouais, ok. Mais j'étais vulnérable. Pour l'instant, ça tout passe. C'est du 2 plus. Tu relances. Elle est activée ta carte. Je sais pas ce que ça te fait. J'ai plus 1 pour toucher. Et quand j'ai la couronne, ouais. Et vicieux. Un petit ordre là-dessus. Allez, pas trop de 1. Ce serait bien. Ah, au moins 1. Ah, ah mais t'as déjà pris une blessure. Donc, t'auras quand même. J'ai quand même mon petit test de panique. Il va être pas facile parce qu'il va être à 8 à cause du tas de cadavres. Il est à 8, ouais. Si t'as des. C'est bon. Non, j'ai plus de cartes. Bon. Mais bon, c'est des gars de Lannister, ils ont été bien payés. Ils ont eu leur solde ce mois-ci. Bon, ça m'arrange plutôt pas trop mal. Ça m'arrange pas trop mal. J'ai... Et est-ce que t'as quelque chose à faire? Un petit Arya. Je vais jouer Arya, ouais. Ok. Non. Non. Oui, non, oui. Disons que si je me mets sur objectif. Si, je vais jouer Arya. Ok. Je vais jouer Arya au début de ton tour. Tu peux retraiter un peu loin, mais pas tant que ça, parce qu'il faut que tu aies quand même tes logos. Ouais, ou je suis pas obligé de l'avoir. Hein. Si, ouais. Non, je vais m'y mettre quand même, bien entendu. Ok.
Donc là, du coup, on est à combien? Est-ce que je tente? Est-ce que je... C'est un 7. 4, 7, c'est du 3 plus. Et écoute, on est là pour jouer. Hein. Allez, on tente la charge. 3 plus. Tu te loupes pas. La pression. Ouais, super. Aïe, aïe, aïe. Bah, ils ont fait un bon truc avant, je me suis dit. Aïe, aïe, aïe. Bah, ils ont fait un bon truc avant, je me suis dit. Je me suis dit que ça allait passer, tu vois. Justement, ils peuvent pas faire que des bons trucs, quoi. Hop. Encore un moins un. Eh oui, eh ben oui, c'est normal. Là, ils sont plus, ils y croient plus là. Ah là là là, c'est la débandade là. Ok, à toi. Ok, à toi. Aïe aïe aïe. J'aurais bien aimé te charger là. Oui, bah oui, oui. Je n'en doute pas. Bon, c'est nous. Il charge ou il charge pas? Ça. T'es à 5? Bah là, je vais passer à 5 après. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. T'es à 4, il y a 4-3. Je sais pas. Vu que t'as lâché cet objectif, c'est pas la fin du monde. J'ai. D'un autre côté. Ah, tu commences, hein. Ouais, c'est moi qui commence. Ouais, mais. Je vais bien te charger dans le dos quand même. Je touche à 3 plus. Ouais, normalement tu fais au moins 3 touches. C'est bon. T'es pas en range là? Je sais pas. Tu te mets comment? Je me mets comment? Mais comment? Je me mets comment? Ouais, comme bah, ça. T'as que deux choix possibles. Paniqué vulnérable. Je deviens paniqué vulnérable. C'est toi qui deviens paniqué vulnérable. Pas moi. Hein. Ouais. Tu viens de le mettre. Bah oui. Allez. Allez, là, si tu le reloupes les deux, ça me va. Et il faut pas, faudrait les réussir. Oh là là. Aïe aïe. Les Stark. Donc ça fait 2 à 6. 2 à 6, ouais. Bon, deux morts. Bon, au moins, je garderai mon rang. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mm-hmm. Et un test de panique à... Mm-hmm. Et un test de panique à moins 2... Moi, t'as vicieux ou pas? Donc c'est du 9 et j'en perds 2. Donc c'est du 9 et j'en perds 2 de plus. Et ça suffira. Ouais, ça suffira. Ouais. C'est stats. Bon, heureusement t'as loupé les deux. Hein, parce que... Eh oui, oui, oui. Enfin, heureusement, non. Heureusement pour toi. Heureusement pour moi. Ok. Eh ben, tu peux finir. Bah, okay. Du coup, là, ils ont vu une bête par derrière. Donc là, ils vont pas être contents. Ils vont se retourner. Et donc tu prends pas l'objectif. Je prends pas l'objectif, je vais essayer de te tuer. Hein. Ouais. Ça va être le but. Hein. Là par contre je vais taper quand même à 2 plus. Ah non, c'est que j'ai pas la carte. Donc je tape à 3 plus. 5D, 3 plus, critical blow. J'ai disrupt. 4 plus du coup, exact. 4 plus sans relance, ça devrait pas faire grand chose. Hein. Mais il y a critical blow donc bon. Non. Si. J'en ai pas fait tout à l'heure, moi. Ouais, mais bon, moi j'en ai pas fait non plus. Allez, c'est le moment. Bon, il y a beaucoup de 1, mais ça fait quand même 3 touches. Ça fait 3 touches. 3 touches à 4 plus. J'en sauve 2. Hop. C'est bien. Ça fait une blessure, ça me va. Bien. Ça fait une blessure, ça me va. Une blessure, moral test, t'as vicieux? J'ai c'est bon. Ok, une blessure. Ok, une blessure. Il t'en reste 3? Bah oui. Ok, bon ça va le faire ça, on va y arriver. Non. À toi, avec ta dernière activation. Ouais, donc là je sais pas trop quoi faire. Me rapprocher ça va pas être une si bonne idée que ça, je pense. À part s'il y a moyen que j'arrive, je peux shifter, donc je me mets là. Et je peux quand même te faire un peu mal. Mais je vais pas avoir beaucoup de... Je suis un peu coincé avec cette unité-là. Là, ah sinon je te passe deux. Et là du coup... Pour l'instant tu gagnes un. Pour l'instant je gagne un seul. Donc ouais. Écoute, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Ok. Fin du round. Donc je gagne 2 points, t'en gagnes un. C'est ça. Tiens. Hop.
Et tu me donnes 1. Et t'en enlèves 1. On enlève 1. 3, 4, 5. On est à 5, 5. Oui. En fait, tu me donnais les deux. On est à 5, 5. On enlève ça. Hop. On enlève tout ça. Et je repioche 3 cartes. Et moi, j'en pioche 4 toujours. Ça t'avantage bien, ça aussi. Hein. Ah ouais, ouais, c'est clair. Mais je vais quand même défoncer une bribery parce que ça ne me sera pas forcément utile là. Ce tour-ci. Et on va. 1. 2. Et on passe à 4. Et je te mets un affaibli en marquant le point ici. Tac. Dans le point ici. Tac. Ok. Et après, moi, il n'y a rien d'autre. Ok. Il n'y a pas de shift, truc comme ça. Très bien. On va montrer les cartes. Ouais. Qu'on a eues. Allez. Tu dis quand t'es prêt, Mathieu ? Je suis prêt pour toi. Ouais. Alors, voici la première que j'ai eue. Tu peux. La deuxième. Et la troisième. Et les miennes. Et c'est à toi de commencer le round 4. Ouais. Donc il te reste un jeton d'aria, c'est ça ? Non, non, je l'ai dépensé. Ah, là, t'as plus de jeton d'aria. Non, j'ai plus de jeton aria. Ok. Écoute, je vais commencer par jouer une carte, moi, au début du tour. Vas-y. Un deuxième Lannister paye toujours ses dettes. Ah. Et je pense qu'on va aller jouer... Là, j'hésite un peu parce que eux, ils peuvent, mine de rien, ils peuvent mourir, je pense. Mais ils peuvent tous mourir, c'est ça qui est bien. Eux, pour l'instant, c'est quand même les moins... Alors, après, si t'as la carte, là, ça c'est chiant. Mais on va le mettre sur eux. On va le mettre sur les Mountain Men. On va parier sur le fait qu'on va tuer le loup. Ah, oh, ouf. Et on verra. Quel beau pari. Ah, écoute, on va faire ce qu'on peut. Hein. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, le plan, il va être plutôt simple. Je vais utiliser Pycelle. Je vais mettre sur les épées. Je vais mettre un affaibli. J'hésite un peu. Est-ce que t'as une carte pour te déplacer en Stark quand je te tape ? Non, tu l'as plus celle-là. Le Hit and Run ? Non, avec Rob, diversion tactique. C'est avec Rob que t'as ça. Okay. Une idée. Bon, je te mets un affaibli sur le loup au cas où, si jamais il survit. Vas-y. Et je vais te taper dessus. 5D avec critiquel bleu, bleu vicieux. Toujours sur 4+. Et non, du 5. Du 5. Ah si, du 4, pardon. C'est comme tout à l'heure, en fait. Ah, mais c'était du 3 tout à l'heure. Non, c'était du 4. Non, parce que j'avais la couronne. Ah non, oui, j'ai plus la couronne. J'avais pas la carte, c'est pour ça. Ouais. Je m'embrouille. Ça change rien. Bah si, j'ai plus un pour toucher. Oui, mais elle est paquée. Oui. Même si t'avais la couronne. Hein. Deux. Bon, bah, voilà, je meurs pas. Bah tout de suite, on verra. Voilà. Aïe, aïe. Voilà. Aïe, aïe. Superbe. Superbe. Ouais, ouais. Tu crois que tu peux tuer un loup comme ça, toi ? Oui, mais... À toi. Donc, t'es pas activé, très bien. Ça m'aurait bien arrangé que... Que je te tue, là. Je vais jouer Rob. Ouais. Vas-y. Je vais faire. Je vais prendre le cheval et je vais faire une retraite avec Greywind. Une retraite avec Greywind. Ok. 5. Tu vas pas pouvoir aller si loin. Le bord. Comme ça ? Ouais. Ouais, même un peu plus. Là, et tu me mets de face après, s'il te plaît. Bon, ouais, non, mais laisse faire comme ça. Mets-moi de face. Comme ça Ouais, non, mais même... En gros. De face carrément. Enfin, ça changera rien. Mais... Ah, comme ça? Par rapport à moi, ouais. Ok. Par rapport à moi, ouais. Ok.
Et moi, je peux pivoter également. Là, je vais pivoter aussi. Hein. Tower de face. Et c'est à toi. Ok. Alors là, j'ai bien envie de prendre quand même la bourse pour me soigner. Quelque part. Prendre quand même la bourse pour me soigner. Quelque part. Je pense que je vais prendre le grand moineau sur la bourse. Je vais me soigner mes pyromanciens de 3. Et je vais te influencer avec le grand moineau. Ouais, je vais te charger. Allez, let's go. Je joue un Devastating Impact. Ouais, donc je deviens. Il n'y aura pas besoin. Pas besoin. Hop, c'est sur moi. Moi, ouais, j'ai la triplette des tokens là. Ok. Et je vais jouer une autre carte. Je vais gagner Thundering avec Winter's Might. Ok. Donc en fait ça annule le moins 1 plus 1, donc je suis toujours à 3. Donc je vais être à 3. Et moi je suis bien vulnérable, tu l'es déjà. Je peux relancer, ça sert pas à grand chose. Et donc j'ai toujours ma petite précision. Ok. 7D. Ok. 7D 4+. On s'en va déjà un mort. Il y a déjà un petit mort. Et ça fera 3. 3 plus. Donc déjà tu m'enlèves. Trois pour le moment. À 3 plus, il y a quand même peu de chance. Ok. Test de panique. On y est toujours. Test de panique. On y est toujours. Donc c'est du 8. 8. 2 de plus. 2 de plus, c'est bien. Ok. Je suis activé, oui. Je vais utiliser l'ordre. Ouais. Je vais te faire moins 1. On va tenter de te faire un miroir. Avec un moins 2. Moins 2, donc ça fait du moins 8. 2 plus, moins 2 plus 2. Je prends 4 morts. 4 morts, je t'avais influencé. Ouais, tu peux te soigner de donc 4. Je me soigne de 3. C'est 3 max, ouais. 3 max. 2. Ouais. 3. Okay. Et je vais jouer également Felty to the Crown. Hein. Donc je vais me re-soigner de 3. Felty to the Crown. Hein. Donc je vais me re-soigner de 3 aussi. La couronne, elle te permet quoi là? La couronne, ça serait plus 1. Donc je pourrais monter à 4. Bon. Et là, hop, on s'est mis full, on conteste l'objectif, on est pas mal. Mmh. Ça se heal. Mmh. Ça se heal. T'as combien de cartes en main? Une. Une seule? Est-ce que moi il y a des cartes qui m'intéressent? Il te reste. Les deux. Et Aria. Et Aria. Donc là. Bon, il me reste 1, 2, 3, 4. Toi, t'en restes 3. J'ai encore l'avantage. Ça. Allez, hop. J'ai pioché deux cartes. Ouais. Et tu mets un token. Et je vais te mettre un token. Un token sur quoi? On va tenter de mettre l'affaibli sur le bout. Il l'a déjà. Il l'a déjà? On n'a pas déplacé les tokens. Ok. Donc je vais peut-être faire autre chose. Concrètement. Mais écoute, je vais jouer Aria, je vais te faire faire un test de morale. Je vais, avant que tu fasses ça. Je vais te faire faire un test de morale. Je vais, avant que tu fasses ça. Vas-y, ça fait quoi? Je vais te mettre un paniqué sur une unité. Ouais.
Et le paniqué, je vais le mettre sur eux. Ouais. Et tu feras un test de morale à 9 sur tes guardsmen. Ah. Ou alors sur tes mountainsmen. C'est à 8. Tu gagnes un dé sur les guardsmen. Ouais. Après, tu vas te soigner. Bah, sur les mountainsmen, c'est bien. Allez. Aïe. Ah, ça pique un peu. Hein. Ah, ça va piquer un petit peu. Il te reste quoi à jouer? Il te restera les deux là. Il te reste quoi à jouer? Il te restera les deux là. Ouais. On va essayer de te taper dessus. T'as plus de NCU. De quoi? T'as plus de NCU. Oui, mais avec eux. Ouais. Hop. Je pense qu'on va se réorienter comme ça pour s'éloigner quand même du tas de cadavres. C'était bien pourtant là-bas. Hop. Bon, là, tu vas rien faire de toute façon. Et je vais te taper à combien quand même? 7, 3, 4, 5, 6. À 4 plus. J'en fais 3, je suis affaibli. J'en fais une. Tu vois? Ouais, attends. On va voir ce que ça fait. Je suis à 4. Je suis à 4. Un mort. Je la prends. Je la prends, je la prends. Et un jet de morale à... T'as pas la couronne. Donc tu... Non, ça change... Ça change déjà ça ou pas du coup? Oui, tu gagnes vicieux. Ah, j'avais plus un pour toucher. Ah non, j'avais pas non, la... mais t'as vicieux. J'ai par vicieux, ouais, pardon. Donc on est à 8. C'est bon. C'est bon. Ah, je me serais bien heal un peu plus. Mais moi. Non, non, justement, c'est bien. Bon, moi je te conteste. C'est okay. Là. Ok. Je peux t'avoir de flanc, je pense, ou pas? Il tient le socle? Alors, faut voir si ton... Ah non, 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 je pourrais pas. Donc je te charge de face. Ouais, peut-être moins que tu mets. Hein. Si? Attends, il faudrait le laser en haut. Si t'arrives à passer... Il faudrait le laser en haut. Si t'arrives à passer cette ligne-là... Non. Non, ok. Non, non, ça me paraissait loin. Oui, oui, 3 points de vie, je vais te charger de face. Ok. Après, bon, il y a voilà. L'armant, il y a l'affaibli, mais bon. On se rapproche. Non, je pense que c'est l'affaibli, mais bon. On se rapproche. Non, je pense que c'est bon. Ça passe. On est comme ça. Je vais jouer une carte. Je vais gagner Sundering. Ok. Avec Winter's Might. Et puis c'est parti. Et puis c'est parti. Il est pas en forme le loup. Tu me fais relancer? Je te fais relancer. J'espère que ça... Ouais, je vais gagner plus 1 à ma défense vu que je contrôle la. C'est avant la relance? Bah c'est une fois que les dés d'attaque sont lancés. Oui, donc. Mais bon, vas-y. Bon. Sont lancés. Oui, donc. Mais bon, vas-y. Bon, ça change pas grand chose. Changera, ouais. Ça fera 3. 3, et j'aurai plus 1 défense, moins 1, donc ça sera du 4. Donc ça annule le. Je suis vulnérable. On va prendre. Les autres dés. Survie à 1 PV. Ouais, bah tu vas faire un petit test de morale. Ouais. À 7. Test à 7. En plus, non mais là c'est comme si tu étais mort. C'est mon personnage ça. Bah oui. Ah ouais, attends. Tu es mort. Ça passe. Relance tout. Ah, intéressant. Ça change pas grand chose en fait. Ça change, si, ça change de 1%. Donc tu relances le 6. Balance le 6. Ouais. Attention. T'as pas changé de dé. C'est un 3 ça. C'est cassé ça ou quoi? Non, c'est pas cassé. Okay. T'aurais dû changer de dé. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai droit à. Eh ben je vais aller sur l'objectif. Hein. Bah oui, bien entendu. Tac. Ça, tu peux le reprendre. Hop. Hop.
Et tu peux activer l'effet de Jacken. Et oui, c'est ça. Il me semblait bien que j'oubliais un truc. Et je peux activer l'effet de Jacken. 3 wounds dans une unité. C'est moi qui commence au prochain round. Écoute... Ah. Oup. Ouais, bah écoute, Robert Strong, il va dire au revoir. Hein. Il meurt. Il meurt et deux de ses copains. Ok. Hop. Ah, ça pique ça. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Là, j'ai activé eux, c'est ça? Non, non, ils sont pas activés. Si, j'ai tapé. Je t'ai fait une blessure. Oui, ok. Ouais, il te reste que Robert Strong. Ah oui, t'avais pas activé tes Mountain's Men. Hop. Très bien. Bah, je vais me mettre comme ça, reculer un peu. Tu recules. Bah écoute. Et je vais jouer une carte au début de ton tour. Vas-y. Donc si tu joues cette unité, fais une action avec cette unité ou un NCU, on va dire Aria, je peux faire une attaque, une marche, une manœuvre. Ouais, bah. Si je fais quoi? Si tu fais une action ce tour-ci. Ah oui, bah je fais pas d'action. Ok. De toute façon, je comptais pas en faire. Ouais, mais je me suis dit quand même, j'ai pas envie que tu te rapproches pour... Ouais, mais regarde, je gagne pas 3 points. Je gagne 2 points, t'en gagnes 1. Je suis devant toi. Ouais, pour le moment. C'est toi qui dois venir. Pour le moment. Allez, donc je gagne 2 points de plus. Je suis à 8. Ouais, moi j'en gagne un seul. Donc je suis à... 6. Cinquième round. Donc il y a 8-6. Hop. T'es manière. Et je vais piocher 3 cartes. Attends. C'est pas beau, non? Non, je vais jouer celle-là. C'est ça. Et là, c'est moi qui commence, c'est ça? Non, non, c'est moi qui commence. Ah oui, c'est vrai. Et oui, oui, oui. Donc là, je peux en piocher. 1, 2, 3, c'est ça. Je te montre les cartes, Mathieu. Première, la deuxième, troisième, hop, ok, les miennes, on peut ne pas déclarer d'action avec une unité pour éviter un trix. Oui, 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 on peut activer une unité sans faire d'action si elle est pas engagée en fait. Ouais, du moment qu'elle est engagée, il aurait été obligé soit d'attaquer, soit de faire une retraite. Là, tu peux mettre un affaibli. Je. Non, parce que je contrôle pas. Ah, j'ai tu pas contrôles marqué pas, pardon. Non, non, j'ai pas marqué ce point. Ok. J'ai rien à faire. C'est quoi là-bas? L'objectif là-bas là. L'objectif, si tu peux faire un shift de 3 avec une unité. Ça m'intéresse par contre. Entre une unité, une long range. Ah, mon loup, il va shift de 3. Ouais. Je vais activer Rob. Ouais. Prendre le cheval. Ouais. Et je vais faire une manœuvre avec le loup. Alors là, je pense que tu as fait peut-être une petite erreur. Tu crois? Je pense que tu aurais dû me charger direct. Ouais. Vu que j'ai plus Robert. Donc tu aurais pu me sortir facilement. Enfin, facilement. C'est pas sûr, mais. Ouais, après, je suis pas pressé. Hein. Ouais, ouais. Après, je te laisse l'épée, mais bon. On est à 8-6 pour moi.
Je te laisse l'épée, c'est peut-être ça, mais ouais, c'est pas très grave. L'épée, je vais pas la prendre. Je pense que je vais prendre tu vas te soigner ? Je prends la bourre, je vais me soigner ici. Pour éviter de me mourir trop facilement. Hop. Par contre, je vais pas le prendre avec lui, pardon. Ce sera un peu bête. C'est trop tard. C'était avec lui, c'était le plan. Mais ils se ressemblent, ils sont en robe les deux. Les trois même. Les trois. Et faut absolument que ça survive. Donc du coup, je vais mettre un affaibli. Allez, sur les loyalistes. L'affaibli ? Ouais. Je vais mettre un North Remember sur mes Karstark. Ok. Je vais activer mes Karstark là. Ouais. Je vais faire une autre. Mon retraite, ça me recule de rien en fait. Tu vas pas partir trop loin, sinon tu vas être bloqué. Ouais, après je vais quand même faire ça. Et pareil. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais jouer une carte, mais bah, vas-y. C'était ton activation. Bah, c'est tu fais un test de morale. Subjugation of power. Ouais, c'est ça. Et si tu l'échoues, ouais, t'as pas de malus là. Ouais, mais ça sert à rien. Je fais une retraite. Oui, oui. Mais du coup, je ne savais pas que vous alliez faire une retraite. Oui, ok. Donc je l'aurais joué quand même. Je lance pas le dé, quoi. Ça sert pas à grand chose. D'ailleurs. Peut-être. Oui, parce que si je pouvais pas me heal en te tapant. Ok. Ça va être à moi. Mm-hmm. On va jouer lui. On va faire un petit test de panique. Et on va influencer. On va quand même influencer. Donc un test à moins 1, c'est un test à 7. Je regarde 2 secondes. Oh, c'est bon. Oh, trop chaud. C'est bon. Ouais, très bien. Je vais aller piocher 2 cartes. Moins 1. Une carte. Et je vais mettre un affaibli. Tu touches à combien là déjà ? C'est du 4 plus ou ouais, ici. De toute façon, je pense que la partie est terminée. Ben, si. Quoi qu'il arrive. Je pense, ouais. Mais bon. On va déclarer une charge. Vas-y. Ouf. On est bon. Ouf. On est bon. Ouais, j'aurais plus ça en défense. Plus 1. Moi, j'ai plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dés à 3 plus. Que tu relances. Ah, attends, j'ai quand même la relance. Oui. Hop. Je relance tout. Je relance tout. Et écoute, ça fait 3. Ça fera 3. 3 touches. 3 touches à rien. Ouais, c'est ça. Ouais, ça avec. Test de panique avec vicieux. J'ai une morale à moins 2, donc à 8. Voilà. Ok. Et je joue une carte.
Donc tu as target une Karstark Unit, c'est la nouvelle carte, on va la jouer quand même. Ouais. Ça va pas servir à grand chose. Alors qu'est-ce que ça fait? Alors, à chaque fois que tu attaqueras avec ton unité, tu deviendras vulnérable. Et à chaque fois que tu vas perdre un rang dans cette unité, une unité engagée avec toi pourra se soigner de 2. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Bon, on va la continuer. Vas-y, tu peux relancer. Allez, hop, ça part. Bon, là, ça servait pas à grand chose. Non, c'était pour... De toute façon, la partie terminée, je pourrais plus rien faire. Et c'est à toi, du coup. Ouais, tu peux gagner un point là, à la rigueur en me les tuant. Mais ça suffira pas. Non, ça sera du 19. Je vais... On va retaper. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cette fois, tu n'auras pas de... 3 plus. Et ça fait quand même un beau 5. Alors peut-être. Donc là, je suis à 4. Trois morts et un test de panique, toujours à 8. Et à un moment, ça a été craqué. J'ai dit 3, hein. Ouais. Oh là là. Facile. Trop fort. Facile. Bah, tu vois, c'est la première fois qu'on les voit. C'est les loyalistes. Hein. Dans un rapport de bataille. Donc, ils se sont dit, bon, on va pas craquer quand même. Ils en ont pas fait chez Walou? Ah, je sais plus. Non, je crois pas. Je sais pas. Enfin, en tout cas, dans notre rapport de bataille. Eh ben, je te rejoue. Karstark Retribution. Ah, je peux rien faire là. Allez, ok. Hop, et ça va être à toi. Allez, ok. Hop, et ça va être à toi. C'est le beau jeu ou c'est la victoire, hein? Ah, comme tu veux. C'est le beau jeu. Je peux te charger comme ça. Comme tu veux. Bah là, en tout cas, t'aurais... en situation de tournoi, ouais, j'aurais gagné. T'aurais gagné. Je parce retourne que... sur l'objectif tranquillement. C'est ça. Bon, voilà, je vais te charger quand même parce que c'est le plaisir. Allez. En voilà, plus, tu peux passer le flanc facilement, je pense. Ouais, je pense que je t'ai largement de flanc. Ouais. Si, je pense. Ouais, ton truc, ta règle, elle est pas droite du tout. Ouh. De flanc, je joue une carte Devastating Impact, paniqué, bon, vulnérable. Ça le mettait quand même, je le mettais quand même, mais là j'ai la relance de la charge au cas où. Ouais, bon, ça touche quand même. On est bien, tu te mets comment? Ben, comme ça, très bien. Ça va très bien. Oui, vas-y. Ben, comme ça, très bien. Ça va très bien. Oui, vas-y. 4D relançable et ça fera 4. Alors, j'ai joué une petite carte. J'ai fait Wells of the Rock. Des plus 2 à mes tests de panique, à mon moral. Et vu que je contrôle la bourre, j'aurai plus 1 ma défense, mais ça s'annule parce que t'es de flanc. Ouais, sauf que j'ai Thundering aussi, donc t'as quand même un. Oui, sauf que j'ai Thundering aussi, donc t'as quand même un. C'est les 6 de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, ouais, je veux dire, ça servait à rien. Oui, il te fallait plus. Tu m'as dit 4. 4, ouais. 4 à 6. J'en fais pas. Je perds 4. Et donc t'as plus 1 à ton test de panique. Plus 1, donc je suis à 5. En plus 2 t'as dit? Plus 2 en tout, mais vu que t'es de côté. Ouais, plus 1, donc ça te fait 5. Ouais. Allez les gars. Pour l'instant ça tient. Ouais, tu relances tout. Tout. Vraiment tout. Tout. Allez, du 5. C'est bon. Ouh. Je vais jouer une carte. Vas-y. On va jouer toutes les cartes du général. Donc là, tu vas devenir vulnérable et paniqué. Je te l'attache. Bon, ça ira à rien. Mais si c'était Kevan qui attaquait, tu perdrais toutes tes capacités et tu pourrais pas être ciblé par des cartes tactiques. Mm-hmm. Très bien. Donc je deviens paniqué vulnérable. Bon, ça va pas servir à grand chose de toute façon. Ah si, ouais, sur la panique. Le vulnérable va servir à rien. Mais... Vu que j'ai vicieux. Bon, allez là. Je joue au début, c'est ça? D'ailleurs, vu que tu m'avais attaqué de flanc, t'avais déjà le. Oui, je sais. Ah, oui. C'était okay. Pour la relance de la charge. Ok. Bon bah allez, on va voir. Ils vont peut-être se tuer tout seuls. Ce serait marrant. 4D, pas de défense pour toi. Pas de défense, ouais. Justement. Et c'est du 3+. J'aurai un test de panique. Justement. Et c'est du 3+. J'aurai un test de panique. Allez. Ouh, je te fais 2 dégâts. Moi je m'en fais 2 aussi. Tu me tues pas. Attends, test de panique.
À moins 2. Panique à moins 2, donc ça fait à 4. À 4. Je suis paniqué. Ah oui. Et j'ai un point de vie. Ouais. Ok, relance-moi les deux. Les deux bleus, là? Ouais. Allez. Et non. C'est bon. Oui. Donc, Et du coup, ça finit pas la partie. Parce ça que, finit pas. Donc, Et du coup, ça finit pas la partie. Parce ça que, finit pas la partie. Je ne gagne qu'un point. Mais bon. Mais bon, on va arrêter là. J'ai gagné. Comme tu veux. C'était pour la beauté du jeu, hein, que je chargeais. Ok. Parce que si on continue, tu vas gagner, donc on arrête. Bah, comme tu veux, moi je m'en fiche. On arrête. J'ai gagné. De toute façon, là je vais te sortir, C'est pour ça. Hein. Et encore, là je peux mourir. Hein. Donc oui, ça mourir, peut faire oui, un. Tu peux mourir. Non, oui, ça finit à 9. 9-9. Non. Non, non. 9-8 en fait. 9-8, ouais. 9-8, ouais. Mais bon, t'aurais gagné donc. Bien joué, poteau. Allez, bien joué. Ok, alors voilà, bah du coup c'était notre premier rapport de bataille, là c'était bien serré. Qu'est-ce que j'ai à retenir de la bataille? C'est que le taunt, vraiment très fort. J'adore. Là surtout sur des arbas ou des archers, c'est vraiment. Bah, c'est un peu. Là c'est vraiment ce qui a fait la game, j'ai l'impression. Parce que t'étais pas très bien parti et ça. Ah ouais, ça a retourné la partie. Hein. Ça a complètement retourné le truc. C'est pour ça que j'avais bien avancé dès le début, hein, avec cette unité. Je l'avais pas en main à ce moment, mais de toute façon, il fallait que j'avance. Même si je prenais des dégâts au départ, pour les prochains rounds, il fallait que j'ai pas de mouvement à faire. Ouais. Pour être à 2+, pour tout le round. Donc j'ai pris le parti de prendre des dégâts. T'as même pas tapé dessus, parce que j'ai avancé mes archers ensuite. Mais ouais, je pensais. Bah, en fait, c'est très fort, hein, l'attaque sur la couronne. Ça permet pas mal de possibilités. Comme tu disais tout à l'heure, hein, même en rajoutant Dario, effectivement, ça rajouterait encore la bourse. Ouais, si tu mets un Dario en plus, ça veut dire que tu as trois zones où tu as une attaque. Il y a trois zones, ouais. Et ça force généralement, trop l'adversaire en plus, à prendre ses zones. Oh, Lannister, la bourse, c'est quelque chose que tu recherches. Que tu as envie, bourse et couronne, hein, tu as envie de les avoir. Et avec Kevin, tu as ces cartes qui vont comboter avec aussi. Ouais. Donc je pense que. Non, il est très bien. Alors moi, j'aime. Les cartes de mon commandant sont pas mal. J'adore le fait de taunt en carte. Parce ouais. que du coup, le taunt, c'est déjà très bien. Mais alors en carte, c'est-à-dire que ton adversaire ne sait pas si tu l'as, ouais. c'est vraiment, vraiment fort. C'est sûr que si tu connais pas en plus. Après, bon, voilà. Bon, moi, j'ai joué une liste assez défensive quand même. J'ai deux grosses unités. Je pensais pas qu'elle mauvaise si vite l'unité de mon commandant. Ouais. Bon, après, bon, contre des pyros avec. Robert Strong, ouais, c'est normal, aussi, hein. ça fait fort. Mais après, bah, c'est quand même, on va dire, 10 points. C'est 10 points, ouais. C'est 10 points. Ouais, du coup, c'est il faut quand même que ça fasse le taf. Après, voilà, bon, tu m'empêches. Si le loup arrive plus vite, la partie, c'est pas la même. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, après, c'était pas si pire. Je savais que je pouvais m'en passer contre un Lannister. C'est compliqué de jouer Rob. Parce qu'on est obligé, hein, en fait. On est obligé de. T'es obligé de le mettre. De sortir une unité. Il n'y a pas le choix. Donc, c'est vrai, du coup. D'un côté, ça peut être très très fort, parce que imaginons que tu mettes. Tu perdes ton âme, tu mets des flamemen ou la cavalier, tu mets ouais, de côté. Mais je trouve que un loup, tu vois, le loup, ça. Ça peut faire très très mal, le loup, c'est déjà suffisant. Par contre, contre certaines factions et contre certains decks, tu peux te retrouver coincé, et là, ça t'emmerde. Ouais, parce que tu joues pas ça contre oui, Tyrion, déjà. Certes. Tu joues pas mais contre ça veut dire que tu as une liste déjà que, potentiellement, au tournoi, que tu peux pas jouer forcément. Oui, oui, oui. Mais je pense sinon, justement que juste en le faisant avec le loup, je pense que même la liste, comme ça, même la liste est jouable en fait. J'ai une liste avec Rob, je parle. Oui. Avec le loup, c'est vrai que c'est un peu moins impactant. C'est moins impactant, que 4 on points. Perd une activation, on reste à 6. 6, c'est dur, mais c'est jouable. Ouais. Après, voilà, donc j'ai une liste défensive, donc je peux me permettre d'avoir que 6 activations, puisque je peux me permettre de recevoir des charges et voilà. Ouais. Et après, moi, bon, d'un côté, j'avais un truc qui est subterfuge, donc là, tous les Lannister l'ont. Ouais, et en plus, mais j'avais Kevan, t'as, la carte de contrôle de Kevan. Ouais. Qui est bien. Qui fait faire une attaque gratuite, un peu gratos. C'est ça. Non, donc, mais bon, moi je trouve que on n'a pas trop vu mes Care Stark loyalistes. Non, ils ont pris un peu cher quand même. Ouais, bah après, c'est des Guardsmen en face. Hein, donc, voilà, oui, après, c'est du 5 points contre 5 points. 6 points, moi, j'ai un attachement dedans. Ah oui. J'ai un attachement. Mais j'aime bien l'unité aussi, par contre. J'aime bien l'unité. Les Spearmen, je les trouve très bien. Le 2+ en défense, je trouve ça très bien. Bah là, ils auraient été peut-être plus en difficulté face à eux. Oui, mais bon, après, forcément. Tu es en difficulté face à. Non, bah, toi, t'avais quand même le Shield Wall pour un peu parer. Ah oui, avec l'autre unité, j'avais le Shield Wall. Ouais, ouais, c'est vrai. Et après, Lannister, c'est vrai que si du moment que t'arrives à avoir Ice Sparrow plus la carte qui te heal,
Si t'échoues en test de Oui, panique, tu deviens quand même très résilient. Mais après, c'est le le seul Feltis truc, ou le Crown, ouais. t'es vraiment très dépendant des jets de panique adverses, mais ça, on le sait un Ouais, peu ça, on le sait, c'est les jets de quand on panique. joue à J'ai Lester. fait des bons jets de panique, mais bon, c'est. Qyburn, sinon, nouveauté aussi, plutôt sympa, mine de rien. J'ai pas trop vu en fait, c'est des petits détails en fait. Un paniqué par-ci, qui est toujours bien C'est justement ça. pour Lannister, pour le coup. Ouais. Et aussi, si tu prenais la bourse, par exemple, je pouvais te faire un dégât. Donc si Ouais. t'es que à 1 HP, tu peux pas te soigner avec la bourse avec lui. Ouais, ah oui, c'est intéressant aussi. T'as des petits trucs comme ça, Ouais, ou sur des solos, sur le loup, j'aurais pu te mettre un de plus, si tu prenais la bourse. Il y avait des petites... et permettre empêcher ton adversaire de piocher deux cartes, c'est pas si mal aussi. Bah ouais, piocher qu'une carte, au final... Bah, disons ton adversaire, il est un peu dégoûté de prendre la zone, quoi. C'est Pour ça, piocher bah, un. après il est quand même content, je lui mets... Bah là, ta carte, du coup, ça t'a bien aidé quand même, mais... Ouais, après, j'ai loupé le premier Winter is Coming aussi. Voilà, après, du coup, Mais si je bon. prends le cheval, t'as moins un ton mouvement. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant, mais quand même, peut-être un peu plus dur à mettre en place, éventuellement. Et ensuite, si tu prends Ouais, parce que l'épée, tu prends le je cheval crois pour que tu l'as faire un pas threat. pris, mais t'avais moins un de... T'es considéré comme ayant un rang de Moins moins. un, ouais, donc ça c'est Donc pas ça mal. peut être plutôt sympa Oui, aussi. ça permet d'encaisser la première attaque de l'adversaire à chaque round. Voilà, c'est ça. Enfin, quand il est premier joueur. Bon, mais enfin, en tout cas, voilà. Bon, on l'avait dit, hein, c'était des listes qui allaient être assez équilibrées. Ouais, bah là, la Enfin. partie au final a été plutôt équilibrée. Là, bon, on n'a pas. Bah, moi, par exemple, ici, j'ai pas voulu trop camper, j'ai voulu y aller Oui, parce ben. que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et on a vu que les loyalistes, bah, ça tanque pas tant. Ça tanque pas tant que ça, mais ça peut envoyer quand même quelques patates, notamment si tu as des unités un peu solo qui n'ont pas beaucoup d'HP et que tu arrives à acheter quelques 6. Ça va pas rigoler, hein. Oui, bah là, si en fait, si ça s'était passé comme je voulais, Ouais. là, bon, le Arya était mal joué, mais si j'avais réussi à aller charger, taper sur du pyro, c'est pas mal. Ouais. Pour le coup, ils font mal, je pense, avec la relance. Et voilà. Ils ont la relance aussi, donc ouais, avec le supérieur. J'ai pas utilisé cette compétence sur les deux unités qu'il avait. Le superior number, là. Quand on a plus de rang, on relance en fait. D'accord. Quand on Ouais, je attaque avec vois. plus de rang, on relance. Ça permet de. Bah, par exemple, avec les Tully avec Rickard dedans, d'encaisser la première charge, donc avec l'unité défensive, ce qui est très bien, et d'avoir la relance derrière, quoi. Donc ça permet quand même de faire du dégât, malgré le 4+, quoi. Parce que 4+ non relançable, c'est pas évident. Mais avec la relance, ça passe toujours. Surtout plus que le By Slaughter, qu'on n'a pas vu non plus, C'est vrai. qui Et permettait du de les coup, soigner. petite question, du coup, vu que tu as joué les nouveautés, c'était la première fois que tu les essayais, je crois, plus ou moins. Tu n'avais pas trop joué au final. Je crois que j'ai fait une partie avec la liste il y a 3 semaines, un truc comme ça. Ok. Et qu'est-ce que tu améliorais éventuellement? Ou est-ce que tu vois quelques faiblesses ou des trucs, éventuellement d'autres trucs que tu aimerais tester? Je sais pas trop, c'est compliqué sur une seule liste, enfin sur une seule partie là comme ça. Je l'aime bien comme ça en fait. Ouais. Bah, il y a deux unités défensives qui permettent de. Après, là, ça s'est passé un petit peu différemment parce qu'on avait une palissade, donc nos archers étaient cachés. C'est ça. Mais l'avantage des archers Stark, c'est qu'ils peuvent se mettre derrière leurs unités et tirer, quoi. Bah tu vois, moi ce que j'aurais fait, si j'avais su que t'avais le taunt, je serais beaucoup plus rapproché, comme ça j'aurais pas pu pouvoir te charger. Ben oui, mais quand. Mais Et carrément. voilà. Bah après, j'aurais pas fait ça si t'avais pas Oui. pu me charger, hein, bien entendu. Oui. Je l'ai fait parce que j'ai vu que tu pouvais. Et que c'était ma seule façon de sauver mes archers. Hein. Mais voilà, non, non, je l'aime bien comme ça, moi. Mais après, bon. Alors, et moi du coup, dans cette liste, je pense que Tyrion pouvait être très bien. Parce Bah après, que... là, t'avais un Tyrion sans l'avoir, en fait, grâce à l'objectif. Oui, Ah non, mais mais le counterplot de plus. c'est pour le counterplot. Parce que par exemple, quand du Stark, si t'as la carte Winter is Coming que t'aurais dû jouer, là je suis pas bien moi. Oui. Là ça peut faire très mal. Et ouais, je vais plus transpirer. Alors eux, il Oui. faut vraiment que je les protège au maximum. Oui, mais si tu mets Tyrion, t'enlèves Oui, après Qyburn. il faudrait rééquilibrer la liste. Je peux mettre Ouais, parce changer quelques que trucs. il coûte 5, il coûte un point de plus Mais là, tu vois, c'est que. quelques idées que j'ai. Oui. Éventuellement, si tu veux jouer vraiment full bourrin, full attaque, mettre un Baelish, que j'avais prévu à la base, Ouais. pour pouvoir faire double attaque
avec Kevan, double attaque, éventuellement si tu mets un Dario aussi, tu vas Oui, pouvoir après faire des là, toi, trucs. t'as joué Qyburn parce que tu voulais tester les nouveautés, on est d'accord, hein, Et on la liste, elle pouvait est être. obligé. Alors, je suis obligé Ah, parce que pour je jouer suis Robert avec Strong. Robert Oui, Strong. t'étais obligé, Donc donc soit avec Robert c'est Strong, pas soit je Victorious joue que tu pouvais enlever, en Qyburn, fait. Ouais, ou ok. soit je joue Cersei et Tommen. Enfin, Tommen du coup. Parce qu'il Ouais. n'est pas Cersei. Après, c'est vrai Et du coup, en qu'on se fait... regarde, là, mais en fait, on aurait peut-être pu regarder la caméra. Ouais, après. Mais bon. Et en fait, du coup, ouais, la raison pour laquelle j'ai pas pris Cersei et Tommen, c'est que c'était plus chiant à peindre. Concrètement. D'accord, Donc voilà. super. On est parti sur Qyburn. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si Mathieu, tu peux parler ou si t'as... Il a un décalage de son, je crois, Mathieu. Bah, non, il y avait un décalage de son sur vous, mais moi, en fait, j'ai un écho quand je parle dans le micro, donc... Ah, Ok. bon. Bah, on espère que ça vous a plu. Et Bon, on que... espère surtout pouvoir refaire ça plus souvent maintenant qu'on a trouvé un peu le setup, je pense, on verra. Après, je sais pas en technique comment ça s'est passé, si... J'ai Tout a vu bien passer marché. quelques messages, Galantil qui disait que c'était sympa le changement de caméra, etc. en live. Ok. Ouais. Ouais, mais il y a du travail quand même. Ouais, Ah ouais. oui. Ouais, bah merci à Mathieu qui a fait du coup le régisseur cette partie. Je pense qu'on pourra tourner éventuellement sur les prochains Oui, bah oui. sans souci. Je pense, si c'est pas trop dur. Bah autant au Enfin, moins il y a le péril. moi je pourrais peut-être Oui, gérer. bah oui. Je suis un peu du métier. Et voilà. Et du coup, prochain match, ce serait quoi éventuellement? Ah, On sait on pas sera trop. plus tard, pour l'instant on sait pas trop. Moi, je verrais bien un petit Nightwatch Free Folk avec les Hero 3. Bah, le problème vient du full pain. Oui, mais on a ce qu'il faut. Non. Bon, presque. Ouais, Presque. bon, bref. On verra. On verra, on annoncera Mais en plus tout tard cas, merci à ça. vous d'avoir suivi ce premier live. Ouais, Et merci à vous. on vous dit à Et très bravo à ceux bientôt. qui ont voté pour les Stark, bien entendu. Ouais, bah j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Mais bon, il faut de toute façon, c'est comme dans les films, et c'est toujours les gentils qui gagnent. Voilà, On va c'est pas ça. se mentir. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Allez, salut, Au à la revoir. prochaine.